Voilà, Claude, ça a été lancé, hein, YouTube. Oui, j'ai eu le son retour, oui. Tu peux regarder sur la chaîne YouTube, on est en direct. Hein. D'accord. Comme les stars. Voilà. Chers adhérents, chers spectateurs, il est moins 5. Peut-être le lien là, tu as le lien là, Xavier? Oui. Le lien, tu l'as? Le lien de Pour les slides. Hein. Vous l'avez envoyé hein, sur votre boîte mail. Oui, je peux te le redonner si tu veux. Je vais le taper là dans le. Vas-y. T4 93. T4 93. Je vais le mettre pour le monde. Le lien, donc lien pour. Voilà, 3 minutes. On est en direct sur YouTube aussi. Claude, tu nous rappelleras les règles du jeu, hein. Oui. Je laisse Xavier ouvrir et puis après, j'indique les règles du match de boxe. Tu vois, Émile, là, je vois une question déjà, c'est à quelle date pourront commencer les premiers AG? Est-ce que c'est le 2 juin ou comme ça? Donc, je pense que tu vas y répondre tout à l'heure. Hein. On va y répondre. On va y répondre parce que là, j'attends avec grande attention l'analyse des juristes. Des juristes, bon, des juristes, oui, des juristes et avocats, parce que moi, j'ai apporté des éléments de texte. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de lire ce qu'il n'y a pas écrit. En particulier sur les possibilités de faire des assemblées à moins de 10 voilà. Personnes, quand est-ce qu'ils peuvent démarrer? Est-ce que c'est dès le 2 juin? On va mettre peut-être ta caméra, Émile, pour s'assurer qu'on n'ait pas de problème de dernière minute. Il reste 2 minutes. Voilà. Merci, Émile. Bonjour à tous. Et puis, Émile, je te l'ai envoyé le SMS, mais on verra ça peut-être après ou demain matin. C'est pour la semaine prochaine. Ah, ouais. Ouais. Qu'on fait voir quels sont les intervenants qu'on fait venir. Mais la semaine prochaine, on finit la formation comptable, non? Lundi, oui, mais mercredi, on est toujours dans l'après-Covid. Tu sais, c'était la dématérialisation. Enfin, c'est un peu l'après-Covid. Tu me gâtes, Claude. Sans toi, ma vie ne serait pas la même. Une minute. Sans le Covid, on va dire, la vie ne serait pas la même. Ah ouais. J'ai entendu là, que ce matin qu'il y avait un couple qui veut faire un enfant Covid. Le deuxième prénom, ils veulent l'appeler Covido. Ah d'accord. Je crois qu'ils veulent l'appeler 19. Et figure-toi que l'académie a dit qu'il fallait appeler la COVID. Oui, parce que c'est la maladie COVID, disease, c'est coronavirus, disease, donc c'est maladie. Bon. Tu pourrais dire le virus aussi, hein. Ok, 14h30. Allez, on va commencer. Bonjour à toutes.
Et tous, chers adhérents, alors, je suis Xavier Faure, l'animateur de cette conférence. Aujourd'hui, nos deux intervenants habituels pour répondre à vos questions et pour les présentations, Émile Agège, directeur de l'ARC, et Claude Pouet, directeur d'ARC Service. Et puis, c'est une spéciale quand même aujourd'hui, on en est ravis, avec trois invités, deux avocats français, spécialistes tous deux de la copropriété, pour nous donner un éclairage juridique qui est bien attendu, avec Eric Audino. Bonjour Eric Audino. Bonjour. Et Julien Baumgartner aussi. Bonjour Julien. Bonjour. D'être avec nous. Et également une petite surprise à 16h30, puisqu'on accueillera un avocat québécois, Yves Jolicoeur. Alors nous prenons l'habitude, chers adhérents, avec gourmandise, de nous parler en visioconférence. Et vous êtes, on a coutume de le dire, notre vitamine. C'était avant le déconfinement, mais aussi après, parce qu'on n'est pas encore complètement libre de faire tout ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, c'est dans un format un peu différent, puisque nous sommes avec les adhérents en visio sur Zoom, qui peuvent poser d'ailleurs leurs questions en direct, mais ça, vous en avez bien pris l'habitude, et avec un public de spectateurs, nombreux aussi, qui nous suivent en live sur la chaîne YouTube de l'ARC. Alors, pendant ce confinement, puis maintenant le déconfinement, nous continuons à vous accompagner pour travailler et préparer le jour d'après. Alors après des webinaires, on en a fait des nombreux, on a une douzaine de webinaires, on en a fait 3 ou 4 sur la copropriété face aux conséquences du Covid-19, un sur les annexes comptables, un sur le contrat de syndic, un sur la préparation et la convocation de l'Assemblée générale de copropriété, on en a fait un autre sur la tenue des assemblées générales, un sur le fonds travaux, je parle sous ton contrôle Émile, et puis j'en oublie un dernier qui était un sur les états comptables, fort enrichissant aussi, et je crois qu'il y en a deux autres d'ailleurs sur les états comptables, tellement la formation était dense. Alors aujourd'hui, on est sur un webinaire spécial sur la copropriété face aux conséquences du Covid-19, qui sera en 3 parties, mais Claude va un peu mieux nous le détailler, mais juste pour vous donner rapidement les grandes lignes, de 14h30 à 15h30, Émile qui nous parlera des nouveaux contextes juridiques face aux ordonnances et qui aura en écho, si je peux utiliser ce terme, Eric Audino, avocat, viendrait amener des éclairages sur les risques. De 15h30 à 16h30, Claude Pouet nous fera une présentation sur les nouveaux contextes dans les chantiers, dans les travaux, puisqu'on voit que effectivement tout le monde est bouleversé aussi sur les chantiers. Julien Baumgartner, avocat, nous fera un éclairage spécialement sur les risques dans ce cadre-là. Et on aura enfin à 16h30 Yves Jolicoeur, qui sera l'avocat québécois, qui nous fera ce témoignage sur la manière dont les copropriétés s'adaptent dans cette belle province du Québec, puisqu'ils aussi ils ont mis en place des choses un peu originales et on aura plaisir à les découvrir à partir de 16h30. Ainsi, donc, l'ARC vous informe pour mieux agir dans cette période inaudite. Vous pouvez poser vos questions comme d'habitude en utilisant la fenêtre converser et on nous jouera le rôle de, moi je jouerai le rôle de modérateur et pour pouvoir reposer les questions si on a le temps dans ce format un peu particulier. Voilà, je crois que j'en ai assez dit. Allez Émile et Claude, c'est à vous. Oui, alors deux mots là, donc comment ça va fonctionner. Donc il y a une première partie juridique. Émile va vous représenter le cadre juridique et réglementaire, les nouvelles dispositions qui s'appliquent. Alors, il passera assez vite sur certaines parce qu'on vous les a déjà présentées. On va plus le faire, vous voyez, par rapport aux nouveautés. Vous savez que l'état d'urgence a été reporté du 24 mai, par exemple, au 10 juillet. Donc, il y a des conséquences par rapport à ce report. Émile va revenir sur ça. Et Maître Audino, lui, va réagir par rapport à certaines de nos propositions ou de nos positions. Vous savez qu'on est là pour vous faire des recommandations auprès des adhérents. Et Maître Audino nous dira et complétera notre exposé, ou même si on a oublié des choses, pourra développer et nous présentera les risques ou les enjeux de telle ou telle posture. Même chose pour les chantiers. Moi, j'interviendrai ensuite pour les chantiers. Et Julien
Donc, Maître Bongarnet, lui aussi, de la même façon, hein, réagira. Par exemple, quand j'affiche que, ou quand nous affichons, ou l'ARC affiche que les surcoûts, par exemple, ben, ils ne sont pas payés par la copropriété, il n'y a rien à savoir. Donc, Maître Bongarnet pourra réagir en disant, mais attention, OK, on peut comprendre votre position, hein, mais voilà les risques, ou peut-être qu'il faut trouver un compromis. Voilà. Et pour finir et pour conclure, donc, on va essayer de tenir les délais, hein, à 16h30. Donc, Maître Jolicoeur, qui est notre partenaire, on travaille beaucoup avec le Québec, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, elle nous dira comment au Québec, il gère la période de confinement et peut-être de sortie du confinement. Je ne sais pas où ils en sont, ils sauront nous le dire. C'est quand même une expérience intéressante pour voir comment ça se gère au niveau du Québec. Voilà un peu les règles du jeu. Il y a un peu de confrontation avec les avocats, mais voilà, c'est de façon constructive, hein, pour que vous ayez un maximum d'informations, à la fois sur nos recommandations et sur les risques qu'elles pourraient entraîner. Voilà, Émile, tu peux y aller. Alors, bonjour à tous, merci encore, vous êtes très nombreux et ça nous encourage à poursuivre à ce type de manifestation, de formation. Comment dire, donc effectivement, on a préféré, on essaie de varier un peu les approches de ces webinaires et avec deux avocats éminents spécialisés de la copropriété. Car pour moi, ce qui est intéressant dans le droit, ce n'est pas ce qu'il y a écrit, mais ce qu'il y a de ne pas écrit. Alors là, j'espère que les avocats ne vont pas me contredire, mais en réalité, nous, ce qu'on aime bien, c'est de lire un peu dans les lignes blanches des textes pour comprendre un peu, pour essayer de voir un petit peu les limites du dispositif. Donc, effectivement, tout l'ensemble de la vie des Français avec ce Covid-19 et l'ensemble de l'organisation des sociétés, des organismes, des associations a été bouleversé. Et bien évidemment, les copropriétés qui sont aussi une personne morale, une structure à part entière, avec sa propre organisation, a été chamboulée par les dispositifs sanitaires, par l'état d'urgence, par des ordonnances qui sont venues se mettre en contradiction parfois avec les dispositions de droit commun, sur le mandat, etc. Et donc, on va le voir tout de suite, ce prolongement de l'état d'urgence a aussi entraîné des conséquences. Donc, ce que l'on aimerait faire aujourd'hui avec vous, c'est d'une part déjà présenter les dispositions légales qui existent, qui sont applicables, et ensuite, comment dire, profiter de nos experts en droit pour essayer de voir un petit peu jusqu'à où on peut tirer les limites et les conséquences des modifications. Alors, sans plus tarder, déjà pour qu'on ne se perde pas, le support. Le support, vous pouvez le récupérer à partir de l'adresse suivante, https://arc-copro.com/t493. On pourra éventuellement le remettre sur le petit icône conversé pour que vous puissiez récupérer les supports. Donc, on l'a dit, on ne met pas sur YouTube la vidéo parce qu'on n'est pas sûr forcément des personnes qui pourront récupérer les supports. Donc, c'est des formations à destination de nos adhérents et là, pour le coup, du grand public. Mais ensuite, on ne mettra pas, on n'enregistrera pas pour les rediffuser en temps libre. Ça sert. Donc, sans plus tarder, avançons. Et dès que, au niveau du public ou au niveau, des intervenants, vous voulez justement intervenir, vous êtes bien évidemment les bienvenus. J'ajoute que, bien évidemment, je vois qu'on commence à avoir des questions qui nous tombent dessus sur les AG convoqués, pas convoqués, etc. Bien évidemment, si on n'aborde pas ces questions de tenue d'AG, de mandat de syndic, autant qu'on rentre chez nous. Donc, c'est évident qu'on va aborder ces questions-là. Donc, laissez-nous le temps de descendre un petit peu les thématiques et ensuite, vous nous bombardez de questions, sachant que nous, on adore répondre à vos questions. Alors, commençons par le commencement et commençons par déjà la situation et la gestion des contrats de syndic dans la mesure où il fallait répondre à une contradiction qui était celle de dire on ne peut plus tenir les assemblées générales puisqu'on a une interdiction
de réunion publique ou de réunion tout court entre copropriétaires. Et d'un autre côté, on a des mandats de syndic qui arrivent à échéance et qui doivent être, entre guillemets, renouvelés ou en tout cas des contrats qui doivent être, des syndics qui doivent être réélus dans leur fonction. Et donc, il a fallu trouver un dispositif qui permet, d'une part, de perdurer les contrats de syndic qui arrivaient à échéance avec l'impossibilité, comment dire, de tenir les assemblées générales. Donc, l'ordonnance du 25 mars 2020, puis ensuite l'ordonnance du 22 avril 2020, puis ensuite, comment dire, l'état d'urgence qui a été reconduit, nous présente le schéma suivant. Alors déjà, avant de présenter le schéma suivant, que dit cette disposition ? Cette disposition dit la chose suivante. Elle dit que tous les contrats de syndic qui arrivent à échéance, alors parce que en même temps, j'ai les collègues qui, quand ils ont repris le travail, je suis en formation. Ah, alors Claude, il y a des adhérents qui appellent et qui disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Claude, bon, alors, bon, après, tout à fait nécessaire. Bon, donc, je reviens. Donc, en fait, que dit ce dispositif ? Il dit la chose suivante, et on va le faire par schéma, ça va être plus rapide. Alors, on a la situation des contrats qui arriveraient à échéance avant le 12 mars. Donc, déjà, les contrats qui arrivent à échéance avant le 12 mars ne bénéficient pas du dispositif qui a été mis en place. Par contre, les contrats qui arrivent à échéance depuis le 12 mars jusqu'à 2 mois et 18 jours après, comment dire, l'état d'urgence, auquel on ajoute encore 2 mois. Ça nous fait le 10 septembre. Donc, tous les contrats qui arrivent à échéance entre le 12 mars et jusqu'à le 10 septembre, donc tous ces contrats-là bénéficient de droit, des mandats de syndic, bénéficient de droit d'un prolongement de leur mandat qui, au final, va jusqu'aux dates de rigueur, jusqu'au 10 mars 2021. Donc, cette mesure a été prise après plusieurs tergiversations, après plusieurs amendements à l'ordonnance initiale. Mais pour vous la faire courte, parce qu'on a déjà abordé le dispositif, pour vous la faire courte, en réalité, tous les contrats arrivés à échéance entre le 12 mars et le 10 septembre, 12 mars, 10 septembre, bénéficient de droit d'un prolongement de leur mandat qui va jusqu'au maximum date butoir, jusqu'au 10 mars 2021. Je précise d'ores et déjà, même si on a le temps d'y revenir, qu'il s'agit d'une date de rigueur parce que le principe, ce n'est pas de faire perdurer ou renouveler, on va voir la notion de perdurer ou renouveler, on reviendra plus en détail, mais le principe, ce n'est pas de faire perdurer les mandats jusqu'au 10 mars 2021, puisque dans la disposition, la principale, c'est bien jusqu'à la prochaine Assemblée générale. Donc, en fait, ce qu'on dit au syndic, vous devez, votre mandat est renouvelé jusqu'à la prochaine Assemblée générale et cette même Assemblée générale, en fait, devra se faire impérativement à la du 10 mars. Et là, c'est important de repeser les équilibres. Les équilibres, ce n'est pas qu'on a un mandat prolongé ou renouvelé, on va le voir après. Et l'équilibre, c'est qu'on vous donne, on sursoit entre guillemets votre mandat pour que vous ayez le temps de faire une assemblée générale. Et dès que vous êtes en capacité juridique et sanitaire de pouvoir faire l'assemblée générale, vous devez la tenir avec une date butoir. Donc, c'est très, très important parce qu'on commence à avoir des syndics qui commencent à calculer en aubaine et en disant, ben après tout, j'ai eu un droit de prolonger, de renouveler, on verra encore une fois, mon mandat jusqu'au 10 mars. Pour certains, puisque le dispositif commençait depuis les contrats qui arrivaient à échéance au 12 mars, donc ça fait quasiment un an de prolongement de mandat. Qui dit prolongement de mandat dit aussi prolongement d'honoraires. Et donc là, la vraie dynamique
à mettre en place, c'est justement ne pas forcément attendre la dernière date de rigueur, qui est celle du 10 mars 2021, pour, comment dire, pour s'exciter à convoquer les assemblées générales. Et pour rappel, n'oublions pas que l'on parle des assemblées générales qui, entre autres, approuveront les comptes de 2019. Donc, il serait quand même aberrant d'attendre janvier-mars 2021 pour approuver les comptes de l'exercice 2019. Donc, bien entendu, et là, on va déjà avoir la première difficulté, c'est justement pour les syndics, pour certains syndics en tout cas, c'est cet effet d'aubaine de dire en réalité, on va bénéficier d'un prolongement de notre mandat jusqu'au 2021. Et pour les syndics, et pour le conseil syndical et pour le syndicat des copropriétés, régulariser au plus rapide la situation pour éviter que l'on se retrouve avec, en 2021, prouver les comptes de 2019. Bon, ça, c'est le premier élément. Donc, si on a bien compris, on va se le refaire rapide. Bon, les mandats arrivés entre à échéance entre le 12 mars et le 10 septembre bénéficient d'un renouvellement de droit de leur mandat. Et donc, pour eux, en réalité, la difficulté initiale de dire, on va se retrouver sans représentant légal et avec un administrateur provisoire, aujourd'hui, c'est réglé par cette ordonnance qui vient, il faut bien comprendre, qui vient en contradiction avec avec le contrat type et avec les dispositions du Code civil, puisqu'on a un mandat qui est renouvelé sans consentement express du mandant, qui est le syndicat des copropriétaires. Donc là, alors même que le contrat type précisait qu'il n'y avait pas de reconduction tacite, etc., bon, là, on a tordu les règles de droit commun sur le contrat de mandat, et on a dit, de droit, le contrat de mandat se renouvelle. On va voir encore une fois cette notion qui est très importante de renouvellement de contrat de syndic, et donc pour donner justement cet oxygène au syndic et au syndicat de pouvoir organiser l'Assemblée générale. La vraie question qui se pose, donc, c'est la question pour les contrats de syndic qui sont arrivés à échéance avant le 12 mars ou après le 10 septembre, puisque eux ne bénéficient pas du dispositif prévu par l'ordonnance du prolongement, du renouvellement du mandat de syndic. Et donc, en réalité, à partir du moment où ils ne bénéficient pas du dispositif, autrement dit, les contrats de syndic qui arriveraient à échéance le 11 septembre 2020, du coup, le syndicat des copropriétaires ne dispose plus de représentant légal. Et donc, peut-être que je peux interroger un petit peu des avocats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité si le 11 septembre, on n'a plus de syndic? Est-ce que tu peux quand même convoquer? Est-ce que c'est échec et mat pour la copro? Alors, c'est quoi les conséquences? Alors, en pratique, un mandat qui finit au 11 septembre, je ne pense pas qu'il y en ait un en France. Par contre, des mandats qui se terminent au 30 septembre, oui, ça, il y en a, parce que, comme tout professionnel, je discute avec beaucoup de syndics, et je sais que parmi mes clients, il y a des syndics qui sont dans ce cas-là. Donc, effectivement, ça va être très, très court pour eux. Entre 10 septembre et 30 septembre, la fin de leur mandat. Mais avec un peu d'organisation, on peut parfaitement s'en sortir. Parce que bien évidemment, on peut convoquer les assemblées générales, en tout cas envoyer les convocations bien avant, on peut le faire dès maintenant, il n'y a aucune interdiction. Donc il faut que dans ce cas-là, le syndic se prépare. Je pense qu'il ne faut pas le faire tout de suite parce qu'il faut attendre l'évolution de la situation sanitaire, mais mi-août ou début août, il pourra envoyer parfaitement légalement ses convocations pour que l'assemblée générale se tienne fin septembre. Et ensuite, le mandat, il y aura un nouveau vote sur le mandat du syndic, le syndic en place ou un autre, peu importe, la vie habituelle reprendra ses cours, et puis il n'y aura strictement aucune carence. Au pire du pire, si le syndic n'est pas organisé, totalement en vacances au mois d'août, etc., il peut toujours envoyer valablement les convocations aux assemblées générales tant que son mandat n'a pas pris fin. Donc, toujours dans mon exemple, le mandat prend fin au 30 septembre, le syndic peut envoyer les convocations d'une manière légale jusqu'au 30 septembre. Ensuite, dans ce cas-là, donc, admettons, il envoie les convocations le 29 septembre.
pour une assemblée générale début novembre. Il y a un mois de carence où le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic, mais bon, pour un mois, dans la pratique, c'est relativement, ça arrive. L'assemblée générale se tient début novembre, redésigne un syndic, et voilà, la vie reprend son cours, et l'assemblée générale est parfaitement valable, elle a bien été convoquée par le bon syndic. Donc, pour ceux qui font leur boulot normalement, ça posera aucune, enfin pour les syndics qui font leur boulot normalement, ça ne posera aucune difficulté. Et pour la période avant 12 mars. Maître, oui. C'est que quand vous dites bon, il fera l'assemblée générale, il y a carence du syndic. Se pose le problème de l'organisation elle-même, parce que le syndic, il n'est plus syndic au moment de l'assemblée générale. Oui. Il y a toute une partie en amont qui devra être assumée par la copropriété. Non, je dis bien, le syndic envoie les convocations à l'assemblée générale préalablement à l'expiration de son mandat. Donc les convocations. D'accord, mais après, au moment de l'assemblée générale. Une assemblée générale, je peut tout à fait valablement se tenir sans que le syndic ne soit présent. Enfin, C'est-à-dire au début, c'est pas lui qui officiera pour s'occuper des émargements, pour s'occuper. Dans les faits, il faut en être conscient. Dans les faits, c'est le syndic qui le fait parce que c'est le professionnel, il est payé pour ça. Maintenant, juridiquement, il y a aucune obligation. N'importe qui peut le faire. D'accord. Alors. Merci Maître Dino pour cette précision. Alors, on poursuit parce qu'effectivement, la vraie question qui va se poser, c'est la question, peut-on convoquer en cette période incertaine, déjà sur la possibilité de tenir une assemblée générale, on va y revenir, mais déjà, quelles sont les préconisations que l'on peut donner aux copropriétaires par rapport à ces reports, à ces ajournements de tenue d'Assemblée générale. Alors, nous, on voit deux hypothèses. La première hypothèse, c'est les Assemblées générales convoquées, mais non tenues. Non tenues parce que, justement, on a eu ces impératifs sanitaires et donc, on n'a pas pu légalement tenir l'Assemblée générale. Bon, mais dans ces cas-là, ce qui est intéressant de dire, c'est que pour les assemblées générales qui ont été convoquées, donc, par définition, tout est ficelé. C'est-à-dire que le conseil syndical a fait son compte de compte, l'ordre du jour a été, a été établi, les pièces jointes obligatoires du mois ont été jointes à l'Assemblée générale. Donc, en réalité, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'attendre à partir du moment où on aura levé la question est-ce qu'on peut dire ou pas des Assemblées générales. Mais à partir du moment où on aura répondu à cette question-là, rien ne justifie que l'on attend la dernière date butoir du 10 mars pour convoquer. Donc, en réalité, dans ce cas de figure, tout est bon pour pouvoir convoquer dès à présent. Alors, je suis tout à fait d'accord, sous réserve, comme tu l'as mentionné en passant, c'est que l'Assemblée générale puisse physiquement se tenir, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se réunir à plus de 10 personnes. Donc, il est bien évidemment inenvisageable, enfin pour moi, à l'instant T, de convoquer une Assemblée générale d'une copropriété de 200 lots. Enfin, ça ne va pas. Donc. Alors, je vais laisser en haleine les téléspectateurs, parce que justement… J'ai repris des textes du décret, notamment du 10 mai, justement, qui réglemente justement les réunions. Et donc, c'est un petit peu sur ça que j'attends ton analyse. Mais déjà, première question que j'ai envie de te poser, parce qu'elle a été souvent posée aussi, à partir du moment où le syndic a convoqué une assemblée générale et cette assemblée générale n'a pas pu se tenir. La question qui m'a été plusieurs fois posée, le syndic est-il tenu de reconvoquer avec l'intégralité des pièces jointes ou peut-il considérer qu'il s'agit que d'une information, d'une nouvelle tenue d'Assemblée générale et donc n'est pas tenu d'annexer les pièces jointes? Alors, je vais répondre pour mon analyse et puis l'analyse de la Cour de cassation. Donc, mon analyse, article 11 du décret, dit que les pièces doivent être notifiées au plus tard, en même temps que la convocation à l'Assemblée générale. Donc, pour moi, logiquement, dès lors que les pièces ont déjà été notifiées, on n'a pas à les renotifier. Malheureusement, la Cour de cassation ne partage pas mon point de vue. Il y a une décision du 8 octobre 2015 qui dit que les assemblées générales sont autonomes les unes par rapport aux autres, et dès lors qu'on reconvoque une nouvelle assemblée générale,
Mais bon, après, ça va être la notion, est-ce que c'est la même assemblée générale, une autre assemblée générale? Enfin bon, dès lors qu'il n'y a pas la même date, c'est plutôt une autre assemblée générale, il faut renotifier tous les documents. Alors, c'est une aberration écologique, économique, etc. Avec la question que tout le monde se pose, c'est qui doit supporter les coûts liés à cette reconvocation. Les frais postaux, c'est une évidence, c'est à la copropriété de les supporter, parce que c'est le cadre du contrat type. Maintenant, la reprographie, il y a une vraie question. Est-ce que c'est au syndic de repayer cette reprographie ou est-ce qu'il peut le facturer au syndicat des copropriétaires? Je pense qu'il y a un certain consensus de tous les confrères avec qui j'ai discuté pour dire que c'est plutôt au syndic de supporter le coût de la reprographie, parce que même si on considère qu'il y a un cas de force majeure, admettons, et c'est très discuté, la charge repose toujours sur le débiteur, et le débiteur de l'obligation de supporter le coût de la reprographie, c'est bien le syndic. Ma réponse est un peu longue, mais en conclusion, d'après la Cour de cassation, il faut tout renotifier. C'est l'analyse hein, que j'avais également. Mmh. Mais par contre, il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où c'est une nouvelle convocation d'Assemblée générale et non une reconvocation, une deuxième, donc par conséquent, on peut modifier l'intégralité de l'ordre du jour. Tout à fait. Donc, si entre-temps, la question, si entre-temps, le syndic a reçu une lettre recommandée disant « Monsieur, Madame le syndic, veuillez mettre à l'ordre du jour telle ou telle résolution d'une copropriété dans le cadre de l'article 10 du décret », le syndic, pour moi, il n'y a aucun doute, se doit d'inscrire ce point, ou le copropriétaire ou le conseil syndical se doit d'inscrire ce point à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Ça, c'est la magie de l'arc, c'est que même quand il y a des mauvaises nouvelles, on arrive à trouver des bonnes nouvelles quand même. Donc voilà, donc c'est intéressant de noter cette information. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une deuxième Assemblée générale, enfin, c'est pas une reconvocation, c'est une convocation d'Assemblée générale. Et pour moi, effectivement, il n'y avait pas photo sur la reprographie des documents, puisque c'est bien, les frais de photocopie sont bien compris dans le forfait de base du syndic. Donc, pour moi, il n'y avait vraiment pas de débat là-dessus. La vraie question qui va se poser, on l'abordera ensuite, c'est par contre, pour cette deuxième Assemblée générale, est-ce qu'on parle d'une deuxième Assemblée générale ou est-ce qu'on parle d'une première Assemblée générale? Et là, le débat va se poser, est-ce que là, pour le coup, le syndic peut considérer qu'on est sur une deuxième Assemblée générale, donc on est dans une prestation supplémentaire? Ça, c'est une vraie question. Mais déjà, revenons après sur les deux hypothèses que l'on a abordées. Donc, la première hypothèse, les Assemblées générales convoquées, donc a priori, celles-ci sont ficelées, donc il n'y a pas besoin de refaire les contrôles de compte, etc. Donc, on peut reconvoquer, dans la limite, que l'on va voir plus tard, des possibilités de réunion de copropriétaires. La deuxième hypothèse plus compliquée, c'est les Assemblées générales qui, pour le coup, elles, n'ont pas été convoquées. Alors, pour plusieurs raisons, soit parce que le contrôle des comptes n'a pas été réalisé, soit parce que l'ordre du jour n'a pas été réalisé, soit parce que, encore, les comptes ne sont pas terminés. Bon, là, la vraie question, c'est de faire un rétro-planning très rapidement avec le syndic pour savoir quand il pourra convoquer l'Assemblée générale. Et qui dit convocation de l'Assemblée générale dit en fait rétro-planning avec le syndic et le conseil syndical sur les tâches préalables à la réalisation de la convocation de l'Assemblée générale. Donc, si on considère que la convocation, on tiendra l'Assemblée générale en septembre, ça veut dire qu'il faudra considérer qu'il y a déjà 21 jours minimum de convocation, auquel s'ajoutent encore 10 jours pour les contrôles de compte. Donc, vous voyez, ça peut remonter très rapidement sur juillet, août, les tâches, sachant que bien souvent, août, les cabinets de syndic sont fermés. Donc, l'idée, encore une fois, c'est plutôt, et c'est ça l'enseignement, c'est plutôt que le conseil syndical prenne la main sur la convocation de l'Assemblée générale, parce qu'il est fort probable que les syndics vont laisser traîner ou lisser les convocations de l'Assemblée générale avec un risque d'étranglement entre janvier et mars, et même certains qui risquent de s'amuser, on l'a vu, qui risquent de s'amuser à mettre dans la même Assemblée générale l'exercice 2019 et 2020 lorsqu'ils sont en exercice décalé. D'ailleurs, je pose la question aux avocats,
Est-ce que pour vous, théoriquement, il serait possible, sur une même assemblée générale, d'approuver deux exercices comptables ? Bien sûr, je l'ai vu de nombreuses fois. Il n'y a aucune opposition. Dès lors que les comptes sont établis, notifiés aux copropriétaires, enfin, il n'y a aucune interdiction. Alors, juste, je reviens un tout petit peu en arrière. Là, tu disais un goulet d'étranglement pour les convocations. Oui, donc les goulets d'étranglement, ça va être le planning de syndic. Et il y en a un autre qui commence à surgir, c'est les salles. Parce que du fait des limitations sanitaires, il va falloir prendre des jauges de salles beaucoup plus grosses. C'est-à-dire qu'auparavant, une salle, on mettait 20 personnes, là il va falloir prendre une salle plus grande. Et tout le monde commence à se dire que ça va être la ruée sur les salles les plus importantes. Il n'y en a pas tant que ça dans les milieux urbains très très denses, et ça va être un goulet d'étranglement supplémentaire. Une question intéressante, Émile, là, toujours par rapport à ces ordres du jour, c'est l'impact des mesures mises en œuvre à partir du 1er juin 2020. C'est-à-dire qu'il y a des ordres du jour qui ont été faits avant le 1er juin 2020, selon les anciens textes. Hein, et là, il y a des choses, des articles qui changent pour certaines décisions comme ça. Ça, il faudra bien l'intégrer dans les nouveaux ordres du jour. C'est ça. Alors, par exemple, pour schématiser la question de l'adhérence, c'est-à-dire, par exemple, la passerelle prévue à l'article 26.1, à partir du 1er juin, elle sera applicable indépendamment que la convocation d'Assemblée générale a été envoyée avant. Bien sûr. Donc là, il n'y a pas de photo. Et d'ailleurs, comment dire, j'en profite. Émile, qu'on comprenne. Tu veux dire que même si la convocation a été envoyée avant, à partir du moment où l'Assemblée se tient après, ça sera applicable. C'est ça que tu veux dire ? Oui, parce que le fait générateur, en réalité, des textes est bien défini à la date d'action. Donc, par définition. Et d'ailleurs, je profite que tu me tends la perche pour te dire que dans cette histoire-là, compte tenu du fait qu'il faudra élire des nouveaux syndics avec de nouveaux contrats, si le contrat avait été élu avant le 1er juin, il aurait bénéficié de l'ancien régime. À partir du moment où on va élire des contrats après le 1er juin, ils rentreront dans le nouveau régime de l'ordonnance. Et donc, avec toutes les incidences que ça implique sur les résiliations, les révocations, etc. Donc, c'est intéressant de se dire qu'en réalité, ils ont peut-être gagné un prolongement ou un renouvellement de leur contrat, on va le voir tout de suite. Mais, comment dire, à partir du moment où leur nouveau contrat qui sera élu dans l'Assemblée générale en bonne et due forme, on rentrera dans les dispositions de l'ordonnance et avec les contraintes et l'encadrement beaucoup plus rigoureux de l'ordonnance du 29 octobre dernier. Voilà. J'avance et on va rentrer dans le vif du sujet et dans la tenue de l'Assemblée générale. Alors déjà, on l'a dit un petit peu rapidement, que faire si l'Assemblée générale a été convoquée et qu'elle n'a pas pu se tenir ? Donc, bien évidemment, la première chose, c'est que le syndic informe par tout moyen les copropriétaires de l'impossibilité de tenir l'Assemblée générale, pas forcément en lettre recommandée, d'autant plus qu'on a eu un retard de la poste, donc il n'y a pas d'obligation d'informer les copropriétaires par recommandée de l'impossibilité juridique et sanitaire de tenir l'Assemblée générale. Et comment dire ? Alors, on préconise, et là aussi il y a tout un débat, on préconise éventuellement un procès-verbal de carence pour défaut de tenue d'Assemblée générale. Pas la peine de l'envoyer au copropriétaire puisqu'il n'y a aucune décision qui a été prise, donc il n'y a pas possibilité de contestation puisqu'il n'y a rien à contester, et de mettre ce procès-verbal de carence à la prochaine Assemblée générale qui se tiendra et qui, elle, aura décidé des résolutions en Assemblée générale, et donc on pourra l'annexer. Alors, excuse-moi, sur le PV de carence, moi, je ne partage pas tout à fait ton point de vue, mais enfin, d'un point de vue pratique, ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, je suis d'accord avec toi sur ce que je voulais dire, mais ouais. Bon, vas-y. Parce que, effectivement, ce que disait effectivement, pardon, t'interromps, mais ce que disait effectivement plusieurs juristes, ils disaient que le procès verbal, il est là, article 17, il est là pour présenter les résolutions votées. À partir du moment où il n'y a rien qui a été voté, il n'y a même pas besoin d'établir un procès verbal, ouais, puisqu'il n'a pas lieu d'être. Bon.
Alors, vas-y, si tu veux compléter. Alors, parce que, oui, pour moi, un procès-verbal de carence peut être fait que si au moins, à minima, le bureau de l'Assemblée générale a été désigné. Et là, il n'a pas été désigné. Donc, moi, ce que je préconise, mais encore une fois, j'arrive exactement au même résultat que toi, c'est que dans la convocation à la prochaine Assemblée générale, il y ait un rappel de cette Assemblée générale qui ne s'est pas tenue. Voilà, un titre de mémoire pour que le journal des assemblées, qui est un document obligatoire, garde cette trace de cette convocation et qu'on ait une explication pourquoi on est pourquoi l'Assemblée générale ne s'est pas tenue. Que en 2200, si jamais on se replonge dans les archives de la communauté, on se dit pas mais pourquoi l'Assemblée générale d'avril 2020, pourquoi on ne retrouve pas le procès verbal. Voilà. On est d'accord. Alors, on y va, tout un débat sur cette fameuse Assemblée générale par voie électronique. On a déjà beaucoup abordé la question auparavant dans les précédents webinaires sur la question, comment dire, de l'Assemblée générale électronique ou dématérialisée. Donc, je l'ai dit, je le répète, pour l'ARC, il n'y a pas d'Assemblée générale électronique. Non, on l'a dit, on l'a répété. La seule chose qui est possible, c'est une ouverture donnée aux copropriétaires individuels de pouvoir opter pour une participation à l'Assemblée générale de manière électronique. La différence, c'est que ce n'est pas le syndicat des copropriétaires qui impose cette solution à l'ensemble des copropriétaires, mais c'est bien le copropriétaire qui peut opter pour cette solution après, ça qui est intéressant, donc c'est l'article 13.1 qui le dit, du décret 67, après, comment dire, que l'Assemblée générale a encadré le dispositif, c'est-à-dire a déterminé si elle optait pour de la visio ou pour de l'audio ou pour tout autre moyen, après qu'elle a défini le curseur de garantie de l'identité, et après, comment dire, que l'Assemblée générale a validé une solution qui a été présentée en Assemblée générale sur la base d'un devis. Donc, c'est en réalité, c'est après avoir répondu à tous ces critères préalables que le copropriétaire peut, en son simple, je veux dire, sa propre volonté, d'opter pour cette solution. Donc, en réalité, compte tenu du fait que 99% des copropriétés, même 99,99% des copropriétés n'ont pas satisfait à ces conditions préalables de déterminer le cadre, un, et de deux, de valider une solution, aujourd'hui, c'est plutôt théorique. Voilà. Alors, je ne veux pas rentrer… Excuse-moi, il y a une exception. Alors, c'est pas pour la copro. Je sais pas si tu as entendu parler. Il y a parmi toutes les ordonnances, les premières, il y a une ordonnance du 25 mars qui est d'une manière très très générale a dit que pour toutes les personnes morales, donc y compris les syndicats des copropriétaires, a priori, le représentant légal, donc en l'espèce dans une copropriété, c'est le syndic, a le droit de décider de tenir les réunions via des moyens électroniques. Donc, quand on lit l'article premier de ce texte, on se dit que ça s'applique à la copropriété. Sauf qu'il y a un article 4 qui dit que pour les modalités pratiques de vote électronique, on revient au texte légal régissant la personnalité morale. Donc, au syndicat des copropriétaires, ça renvoie au texte qui est à l'écran, les articles 17.1a et 13.1 du décret. Et donc, en copropriété, on ne peut pas tenir d'assemblée générale 100% électroniquement, comme tu viens de le rappeler. Par contre, le texte de l'ordonnance du 25 mars va s'appliquer aux autres personnalités morales. Et à l'heure actuelle, on peut tenir une assemblée générale 100% électronique pour les ASL et les AFU. Tout à fait. C'est ce que je voulais préciser. Ouais, oui. Très bien. Tout à fait. Émile, pour des raisons de timing, là, parce que peut-être les sujets qu'on a déjà traités, comme celui-là, peut-être passer assez vite. D'accord. Et sur les nouveautés, parce qu'autrement, on ne tiendra pas le timing. OK, maître du temps. Donc, on va aussi l'aborder très vite. Le vote par correspondance, idem, on ne peut pas actuellement le mettre en place pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est une disposition qui a été modifiée par l'ordonnance qui est entrée en vigueur le 1er juin. Et deuxièmement, parce que son formulaire doit être défini par un arrêté et qu'aujourd'hui, cet arrêté n'est toujours pas là. Bon. J'avance et c'est là que c'est intéressant parce que, en réalité,
j'aurais besoin de l'avis des juristes, des avocats en l'occurrence, pour avoir une lecture des textes récents qui ont été publiés. Et notamment, je les reprends en images pour que les choses soient claires. On a un article 7 du décret du 11 mai 2020 qui, comment dire, est plutôt assez clair. Il dit la chose suivante, que tout rassemblement ou réunion ou activité sur la voie publique ou sur un lieu public est proscrit pour les participants de plus de 10 personnes. Donc, j'ai envie de dire et donc, que si on n'est pas dans un lieu public et si on n'est pas dans une voie publique, cette limite de 10 personnes ne s'applique pas. Et donc, en réalité, on nous remonte à l'article 1er que j'ai aussi mis en exergue dans la slide. Et donc, on dit, donc dans ce cas-là, pour ceux qui ne sont pas concernés par cette restriction, on demande au final une distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Donc, j'en arrive à la conclusion, et c'est là où c'est intéressant d'échanger avec des experts, peut-être Maître Bongarner aussi a un avis là-dessus, c'est peut-être l'avis que j'ai envie de dire et ma lecture, c'est de dire qu'à partir du moment où on est dans une salle privée et qu'on a respecté les distanciations sociales d'un mètre, on pourrait tenir une assemblée générale avec un bémol. C'est pour le gestionnaire de copropriété qui, lui, est au final un salarié et pour lequel il y a des garanties qu'on doit apporter l'employeur. Donc, de dire que pour lui, il aura un espace de 4 mètres carrés d'espace. Mais sinon, si on a au final les 4 mètres carrés d'espace et qu'on a les 1 mètre carré et qu'on a les 1 mètre de distanciation sociale, je ne rentre pas encore dans les particularités 20 lots, moins de 20 lots, etc. Mais déjà, de manière théorique, si on arrive à garantir la distanciation sociale, qu'on arrive à garantir les 4 mètres carrés d'espace du gestionnaire de copropriété qui est un salarié, qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous empêcherait de tenir une assemblée générale de 100 personnes sur un stade de foot ? À l'heure actuelle, quand on lit le texte, rien. Mais il faut définir le lieu public. Mais c'est-à-dire que toutes les salles habituelles dans lesquelles les assemblées générales se tiennent sont des lieux privés. Enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir tenu, si peut-être une ou deux fois, des assemblées générales dans un lieu public. Mais généralement, c'est des lieux privés. Quoi. Bon, donc, je ne sais pas ce qu'en pense mon confrère. Moi, c'est vrai que le problème, il est comme tu l'as dit, Émilie, je crois surtout que c'est effectivement le problème de la santé du préposé du syndic qui va effectivement être déterminante parce que c'est lui qui va pouvoir dire si oui ou non, parce que lui, le syndic est tenu à une obligation de résultance qui concerne sa santé, sa sécurité. Et donc, que ce soit le syndic, mais surtout le gestionnaire effectivement de copropriété, le risque est grand et qu'ils disent qu'il considère lui qu'il n'a pas à être présent dans cette assemblée parce que les conditions ne sont pas assurées. Voilà. Donc effectivement, il n'y a rien qui s'y oppose, mais il y a un très 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 gros risque de responsabilité en cas de problème, c'est-à-dire en cas de contamination. En clair, voyons, là, il faut répondre parce que c'est une question, par exemple, nous, il y a les syndics bénévoles. Les syndics bénévoles, par rapport à ce que tu dis, Julien, donc eux, ils peuvent aujourd'hui organiser des assemblées générales à moins de 10 personnes. Bon, quand est-ce qu'ils peuvent le faire physiquement? Et après, on verra les risques. Émile, tu as prévu de répondre à cette question? Non, mais déjà, tu fais bien d'amorcer sur le syndic bénévole puisqu'on échappe à la question du préposé. Mais déjà, théoriquement, en réalité, ce mythe de réunion de moins de 10 par rapport au texte que l'on met en évidence ici, en réalité, ne s'applique pas pour les assemblées générales de copropriété à partir du moment où, encore une fois, on le tient dans un endroit privé. Donc, théoriquement, pour être plus schématique, une salle de 25 mètres carrés, on pourrait tenir une assemblée générale de 20 copropriétaires. Ah non, c'est 1 mètre de distance. Ouais. Donc, 1 mètre de distance, ça fait 4 mètres carrés par personne. Ouais. Mais on comprend ton idée. Oui, ouais. Oui, juridiquement, oui, on peut. Que pour 10 personnes et le syndic,
il faudra au minimum 60 mètres carrés, plus le gel pour que tout soit assuré. Mais donc, si ces conditions sont remplies, est-ce que c'est dès maintenant ou si c'est dès le 2 juin, est-ce que je peux lancer une convocation maintenant pour début juin, par exemple, en respectant les 21 jours et tout ça, à moins de 10 personnes? Ah oui, oui. Mais c'est une question de gestion des risques, tout simplement. Comme rien n'oblige à tenir l'Assemblée générale avant le 10 juin, de toute façon, est-ce que c'est vraiment utile de prendre ce risque de convoquer une Assemblée générale, alors qu'à partir du 10 juin, peut-être, si tout se passe bien, on aura moins de risques et en tout cas, on convoquera l'Assemblée générale à une date où, normalement, l'état d'urgence sanitaire sera levé. Donc, le syndic bénévole, en tout cas, s'enlève une épine du pied, si je puis dire. Mais comment dire, la levée de l'état d'urgence ne veut pas forcément dire la levée des mesures barrières. C'est certain. Oui, tout à fait. Oui. Donc, la distanciation sociale, elle sera toujours là. Le gel, il sera toujours là. Oui. Et donc, comment dire, qu'est-ce qu'on risque de gagner à attendre le 2 juin ? À avoir des reproches en moins. D'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça risque de faire comme un peu les élections municipales où certains ne vont pas venir à l'Assemblée générale et puis ensuite ils ont tendance à contester le résultat en disant du fait de la date de cette Assemblée générale, je n'ai pas osé venir, donc le résultat est faussé. Enfin, vous voyez, et puis c'est jamais bon de forcer les gens s'il y a une crainte. Je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors, le lien avec l'état d'urgence sanitaire est intéressant, oui, vous pourriez dire. Attendez le 10 juin. Alors, juste pour que les gens comprennent pourquoi le 10 juin, alors pour deux raisons, hein, parce qu'il est prévu une deuxième étape en début juin de revalorisation de la situation. Et donc, peut-être que d'ici le début juin, on sera encore avec des mesures sanitaires moins importantes. Donc, c'est pour ça qu'on a pris la date du 10 juin. En fait, c'est plutôt une date théorique, cette date du 10 juin. Non, c'est une erreur, je pense, Julien, parce que c'est 10 juillet dont tu voulais parler, l'état d'urgence. Oui, pardon. C'est 10 juillet. Ah, 10 juillet, ok, d'accord. Oui, excusez-moi, 10 juillet, oui, tout à fait. C'est 10 juillet. Oui, pardon. Donc, vous, les avocats, ce qu'on peut comprendre, c'est que vous ne conseillez pas de faire d'Assemblée générale avant le 10 juillet pour limiter les risques. Rien ne l'interdit, hein, rien ne… Mais si on respecte les gestes barrières, etc., etc., mais… Vous recommandez, hein, c'est un peu pour ça qu'on vous sollicite d'ailleurs, hein, plutôt d'atteindre le 10 juillet, c'est ça ? Alors, moi, c'est pas exactement ça, parce que je dirais que c'est un peu comme l'approche des écoles, il faut y aller progressivement. Je parle beaucoup avec mes clients syndics, et enfin, tous les syndics que je considère comme sérieux ont la même approche. Il est hors de question pour eux de convoquer des grosses assemblées générales, ils sentent que bien, même si juridiquement, à la lecture du décret du 11 mars, potentiellement c'est faisable, je pense que personne ne le fera. Par contre, il ne faut pas attendre septembre pour recommencer à travailler, c'est pas bon. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en priorité, ils font passer les petits immeubles où il y a une bonne ambiance, enfin, je veux dire, où les gens s'entendent. Et il y a beaucoup de communication sur le fait que l'Assemblée générale est convoquée, et que toutes les mesures sanitaires de précaution vont être prises. Pour que les copropriétaires soient pleinement rassurés et assistent aux assemblées générales dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de position, de tension ou que sais-je. Pour que la confiance revienne, ils ont un bon espoir que la confiance sera à peu près revenue à la rentrée et que septembre-octobre, la vie reprendra comme avant. Mais je pense qu'il ne faut pas, comme toujours, il ne faut pas prendre les deux extrêmes. On ne convoque rien du tout avant je ne sais pas quelle date, ou on se met à convoquer tout le monde comme si de rien n'était. Et Charmaine, je vous pose une question un petit peu cocasse. Comment dire, en supposant, pour moi qui est une théorie, hein, mais en supposant que l'on convoque, que le syndic convoquerait avant le 10 juillet ou même après le 10 juillet d'ailleurs, et que la gestionnaire tomberait gravement malade, qui serait responsable ? Le syndic qui a convoqué ou le syndicat qui tient l'Assemblée générale ? C'est le syndic, là. C'est son préposé. Hein. C'est à lui de d'assurer la sécurité. Il tomberait malade lors de l'Assemblée générale ? S'il arrive à faire le lien de causalité, bon, voilà, c'est pas encore déterminé. Mais donc la responsabilité du syndicat ne pourra pas être entachée. C'est pas lui qui convoque, c'est pas lui qui choisit la salle, c'est pas lui. Enfin, il fait rien, le syndicat. Oui. Donc en réalité, celui qui est mis en avant, c'est bien le syndic.
Bah, c'est le préposé du syndic, ce n'est pas le préposé du syndicat, ce n'est pas du tout un gardien, un employé d'immeuble. Donc ça veut dire que c'est bien au syndic d'assurer la sécurité sanitaire de son employé et aussi des copropriétaires, des copropriétaires présents à l'AG. Alors, de ses salariés, il a une obligation de résultat, donc une obligation particulièrement renforcée. Les copropriétaires, l'obligation est plus légère, mais elle existe quand même. Hein. C'est le grand principe. S'il fait n'importe quoi, il cause un préjudice, il devra en payer les conséquences. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on a quand même mis en exergue ce dispositif qui parle bien, en réalité, des réunions publiques et non des réunions privées. Et donc, ça, c'est déjà un élément intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, si on est dans les distanciations sociales, on pourrait tenir une assemblée générale. Les avocats sont plutôt dire prenons ceinture et bretelles, je les rejoins aussi, et attendons la fin de la période. Mais c'est intéressant de bien faire la nuance entre interdiction formelle et recommandation, qui est une chose. Alors, autre élément intéressant aussi qui a été aussi ramené par les chambres professionnelles, c'était de dire qu'on est en France, les copropriétés sont majoritairement composées de moins de 20 lots. Et autre donnée intéressante à mettre aussi en évidence, c'est qu'il semblerait que la présence physique aux assemblées générales serait que d'un tiers des copropriétaires présents ou présentés. Donc, autrement dit, ça voudrait dire qu'une convocation d'assemblée générale de 25 copropriétaires, on pourrait tabler en réalité sur je sais pas, 10, une dizaine de copropriétaires présents, ce qui peut avoir une approche de ce qui est jouable avec la notion aussi des pouvoirs et de porte-à-porte. Donc, voilà. En fait, on veut ici, non pas donner des recommandations, mais des éléments d'information pour savoir si avec tous ces éléments-là, vous pouvez être en mesure de convoquer et de tenir une assemblée générale. Alors, on pose la question, la mairie nous prête une salle. Est-ce qu'il faut la considérer comme une salle privée ou une salle publique ? C'est une réunion privée, c'est pas un lieu public, une salle municipale. La porte est fermée, enfin voilà, c'est pas. Donc voilà un petit peu par. Excusez-moi, il faut que la mairie accepte, continue à accepter de prêter la salle, parce que comme vous savez, les maires sont très très réticents. Je pense que le goulet d'étranglement des salles dont je parlais tout à l'heure, je pense que ça va être une vraie réalité. Hein. Je pense qu'un certain nombre de maires d'associations, etc., vont dire par mesure de précaution, parce que la salle ne sert pas qu'aux assemblées générales, elle sert du personnel, elle sert plein de choses. Ils vont dire par mesure de précaution, nous on loue plus, on veut plus personne d'extérieur dans les salles. Donc, ça va vraiment être la course à la salle, hein, c'est les mois prochains. Donc, on me pose après la question, les écoles, les paroisses, les églises… Ben, c'est tout la même chose, c'est le gestionnaire de la salle, est-ce qu'il va accepter de continuer de louer la salle? Et puis, question subsidiaire, à quel prix? Il va peut-être dire, ok, mais c'est plus 50% parce que suite à votre réunion de la copropriété, moi, je vais devoir désinfecter à fond, ça coûte une fortune, donc c'est vous qui payez. Alors, il me reste un quart d'heure là pour ta partie. Alors, on avance rapidement et j'ouvre aussi une autre piste de réflexion. C'est à partir du 1er juin, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, il est prévu une disposition de l'article 41-12 qui, pour les copropriétés ayant au plus 5 lots ou un budget de moins de 15 000 euros, peuvent prendre des décisions par consultation écrite, dans la mesure où cette consultation a abouti à décision à l'unanimité. Donc, pour ces petites copropriétés de moins de 5 lots, on pourrait prendre des décisions sans forcément se rencontrer. Et comme vous le voyez, à l'exception du vote du budget prévisionnel et de l'approbation des comptes, mais au moins, on pourrait élire, par exemple, un mandat, un syndic, non plus sur la base d'une prolongation du mandat, ou du renouvellement du mandat, mais sur la base d'une décision prise en Assemblée générale, mesure qui rentrera en vigueur le 1er juin, quand bien même, on pourra en reparler, quand même l'ordonnance n'a pas été encore ratifiée par le Parlement.
J'avance puisque juste un rajout, c'est que de toute façon il y a le principe général qui s'applique, c'est-à-dire pour contester une assemblée générale il faut être opposant ou défaillant. Donc si 100% des copropriétaires donnent leur accord, le procès verbal est notifié, pour moi l'assemblée générale est valable, même si c'est pas vraiment tenu physiquement, même si elle est affectée de 20 millions de vis, voilà. Mais il faut l'unanimité. On est bien d'accord. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit au ministère. Bon, j'ai dit que cette disposition n'avait rien d'innovant, puisqu'il demande l'unanimité, tout le monde, toutes les copropriétés peuvent faire une consultation écrite. Apparemment, il y a l'unanimité. Bon, j'avance. Alors, c'est là où c'est plus intéressant, parce que là, on va entrer dans le contrat de syndic. Dans le contrat de syndic, il faut savoir que cette petite phrase que l'on a vue tout à l'heure sur la notion de prolongement ou de renouvellement du contrat de syndic, ça crée énormément de polémiques. Alors, déjà, il faut bien comprendre une chose. Ce prolongement ou ce renouvellement du contrat de syndic, n'oublions pas, on l'a dit, c'est qu'une date butoir de rigueur, qui est celle du 10 mars, mais l'objectif, c'est de convoquer dans les plus brefs délais, dans la mesure, on l'a vu, où on peut la tenir, et pour élire un contrat à un syndic avec un contrat en bonne et due forme. Donc, la question, c'est de ne pas laisser forcément le syndic tirer au maximum de son délai le contrat, mais bien de le provoquer, à convoquer une assemblée générale. Pourquoi ? Parce que pour des syndics, on l'a dit, c'est peut-être un effet d'aubaine de dire, ben, moi, je perdure mon mandat, donc je perdure mes honoraires. Deuxièmement, c'est tout simplement un mandat, je dirais, gratuit que l'on a donné au syndic, par la loi cette fois-ci, et donc, alors que certains copropriétaires voulaient s'en débarrasser. Bon. Donc, dans ces cas-là, il faut prendre la main pour dynamiser le dispositif. Et c'est là où c'est intéressant, c'est par rapport aux honoraires du syndic. Alors, reprenons déjà ce qui est indiqué dans les dispositions. Les dispositions parlent bien d'un renouvellement du contrat du syndic avec deux éléments intéressants à connaître. C'est que déjà, il est renouvelé dans les mêmes termes, et deuxièmement, sa rémunération est au prorata de la durée du renouvellement. Donc ça implique deux choses, c'est-à-dire que déjà, lorsque l'on dit que c'est dans les mêmes termes, c'est-à-dire que le syndic peut facturer au même coût les prestations complémentaires, supplémentaires et privatives, alors même, encore une fois, que le mandat n'a pas été validé par l'Assemblée générale. De plus, les honoraires de mandat devront être facturés au prorata de la durée supplémentaire. Ça implique quoi ? Ça implique que déjà, et il y a certains syndics qui ont essayé de lancer le dispositif en disant, à partir du moment où mon mandat est renouvelé, donc je suis en droit de récupérer l'intégralité de mes honoraires du mandat. Donc si j'ai un mandat d'un an à 15 000 euros, je suis en mesure de réclamer 15 000 euros d'honoraires et non pas uniquement un tarif pour la période où le contrat a été renouvelé. Donc, la chancellerie a bien précisé, certes, c'est un renouvellement du mandat de syndic, mais par contre, il doit être facturé au prorata de la durée du mandat renouvelé. Autrement dit, il faudra tout simplement, par exemple, j'ai pris un exemple, si vous avez un contrat qui est renouvelé du 1er septembre entre vous avez un contrat qui va du 1er septembre au 31 août pour un montant d'honoraires de 15 000 euros. Si l'assemblée générale se tient donc le 15 octobre, donc par définition le syndic sera en mesure de facturer 45 jours d'honoraires supplémentaires sur la base de 15 000 euros, donc ce qui fait un produit en croix, ce qui fait 1849 euros et non 15 000 euros comme certains syndics ont essayé de le vendre en disant on est bien sur un renouvellement du contrat de syndic. Ça, c'est première notion importante. Donc, attention, la facturation du renouvellement du contrat de syndic doit se faire uniquement sur la période qui va de la fin du contrat du syndic initial jusqu'à l'élection du nouveau contrat de syndic. Et donc, c'est cette période-là qu'il faut vraiment prendre en considération.
Est-ce qu'il y a, cher maître, c'est des choses à rajouter par rapport à ça? Non, mais enfin, c'est le texte sur les honoraires du syndic, c'est une bonne précision, mais de toute façon, à mon avis, le problème était déjà réglé. Je crois que c'est une disposition de la loi Allure qui disait que le mandat du syndic prenait immédiatement fin avec la désignation d'un nouveau syndic. Et ce qu'il voulait dire, en tout cas, ça a été interprété ça par les tribunaux, c'est que dès lors qu'un nouveau syndic est désigné, l'ancien syndic n'a plus le droit de facturer un centime et c'est au prorata temporis. Donc. Alors, cher maître, alors ça a été tout un débat, parce que certes, il considère que son contrat s'arrête, mais il s'arrête de manière abusive, donc ils sont en droit de réclamer l'intégralité des honoraires. C'est d'ailleurs pour cela que, je reparle ici dans le débat, c'est d'ailleurs pour cela que dans l'ordonnance copropriété, il est distingué si on met fin au contrat de syndic dans les 3 mois ou après les 3 mois, parce que ce n'est pas le même régime. Donc, en fait, quand on s'aperçoit que, certes, on peut nommer un nouveau syndic, mais sur la rémunération, ce n'était pas si tranché. Bon, de toutes les façons, c'est vrai que c'était peut-être un procès d'intention qui a été fait au syndic, mais en tout état de cause, aujourd'hui, c'est réglé, puisque c'est bien une facturation au prorata temporis du renouvellement. J'ajoute, parce qu'en réalité, les conséquences de ce terme de renouvellement, ils sont beaucoup plus importants que prévu. Et par exemple, quand bien même on parle de renouvellement du contrat de syndic, les dispositions de l'article 7.5 du contrat type ne pourront pas s'appliquer. Que dit cette disposition 7.5? Elle dit que la rémunération est soit payée en avance et on peut préciser par trimestre, par semestre, annuellement. Et donc là aussi, il y a eu tout un débat de dire, bon tact, le contrat est renouvelé, et il est renouvelé dans les mêmes termes. Donc, si mon contrat prévoyait une rémunération en avance et par trimestre, à partir du moment où le premier jour du trimestre a débuté, je suis en droit de réclamer l'intégralité du trimestre. Bon, donc là aussi, la chancellerie a dit non. Effectivement, c'est un renouvellement du contrat dans les mêmes termes, mais malgré tout, vous ne pourrez pas réclamer l'intégralité du trimestre à partir du moment où il a débuté, mais vous êtes dans l'obligation, comment dire, de facturer au prorata temporis. Voilà un élément qui va peut-être aussi faire débat chez certains syndics qui vont dire, peu importe, moi, le trimestre a commencé ou le semestre a commencé, je facture l'intégralité. A priori, ce n'est pas comme ça qu'il faut calculer. Non, mais c'est toujours la même difficulté, c'est que c'est le syndic qui tient la caisse, excusez-moi l'expression, et voilà. Donc après, c'est à la copropriété, en cas de changement de syndic, bien évidemment, de courir après son argent. J'avance une autre conséquence, là, pour le coup, du renouvellement. Alors pourquoi il faut parler de renouvellement? Depuis tout à l'heure, je zozote entre renouvellement et prolongation. On parle de renouvellement. Qui dit renouvellement dit que, par définition, on n'est pas sur le même contrat initial. On est sur la naissance d'un nouveau contrat. Et donc, à partir du moment où on est sur la naissance d'un nouveau contrat, le forfait de base, avec les prestations incluses dedans, eh ben, remettre les compteurs à zéro. Donc déjà, la première conséquence de ce renouvellement, c'est qu'on ne pourra pas appliquer les indices de révision. Puisqu'on est, encore une fois, on n'est pas sur le même contrat initial qui perdure, mais on est sur un nouveau contrat, donc il n'y a pas de prise en compte de l'indice de révision. Et là aussi, certains syndics se sont amusés à dire, moi, chaque année à date d'anniversaire, j'ai un indice de révision qui s'applique. Du fait du jeu de la prolongation, justement, du renouvellement du contrat de syndic, j'arrive à mon deuxième anniversaire du contrat, donc je peux faire jouer l'indice de révision. Non, puisqu'on n'est pas dans une prolongation, on est dans un renouvellement du contrat de syndic. J'avance. Dans le même procédé, il y a eu tout un débat de dire, dont acte, j'ai convoqué une première assemblée générale qui n'a pas pu se tenir, donc je reconvoque, entre guillemets, une deuxième assemblée générale, je peux facturer cette deuxième assemblée générale. Et là, la même réponse à se poser, c'est dire non. Vous devez la deuxième, entre guillemets, la deuxième assemblée générale qui s'est réalisée dans le cadre du renouvellement du contrat de syndic, ça rentre en finale dans le forfait de base puisqu'on n'est pas dans une prolongation du contrat de syndic,
mais on est dans le dans un renouvellement du contrat de syndic. J'interrogerai, j'ai envie de dire mes confrères, mais Henri, non, mais comment dire, mais les avocats sur cette question-là. Mais j'ajoute encore dans la réflexion, compte tenu encore une fois qu'on est dans le renouvellement du contrat de syndic, on ne pourra pas aussi facturer les visites supplémentaires ou les réunions du conseil syndical supplémentaires, avec une fois le même argument pour les syndics. Ben, vous avez fini votre forfait, il était prévu 3 visites de l'immeuble, j'en fais une 4e, donc je facture la 4e. Et donc l'approche du ministère et du conseil syndical, c'est de dire non, monsieur, si vous avez, on renouvelle de droit votre contrat, on est sur la base d'un nouveau contrat, donc on remet les compteurs à zéro, donc les réunions du conseil syndical, si on avait prévu 2, on peut encore en faire 2. S'il y avait 3 visites de l'immeuble, vous devez faire 3 visites de l'immeuble. S'il y avait une assemblée générale prévue au contrat, eh bien, vous devez faire une assemblée générale dans le cadre de ce renouvellement. Alors, c'est un débat très polémique. Chers juristes, chers avocats, votre vision de cette notion de renouvellement, prolongation, est-ce que vous la partagez ou pas ? Tout à fait. Deux observations. Sur la clause d'indice, je pense que ça dépend des dates. Je ne suis pas certain que dans certains cas, ça c'est pas applicable. Enfin bon, ça ne va pas jouer sur des centimes. Enfin, ça ne va pas jouer sur des fortunes. Sur l'Assemblée générale ordinaire, les visites, les conseils syndicaux, absolument d'accord avec toi, c'est absolument ça. Moi, des retours que j'ai avec les discussions avec les syndics, il n'y aura pas de débat là-dessus. Enfin, de toute façon, l'Assemblée générale ordinaire, ils ne l'ont pas tenu, ils ne vont pas refacturer des vacations, etc. Le point de crispation, c'est les frais de reprographie. Parce que dans certaines assemblées générales, enfin les gros ensembles immobiliers, il y en a pour un peu d'argent. Et le point de tension, ça va être ça. Alors ça, c'est premièrement, mais aussi, il y a qui disent… des syndics qui disent on a déjà préparé les convocations d'assemblée générale, on a organisé déjà les gestionnaires. À partir du moment où il faut repréparer une convocation d'assemblée générale, à partir du moment où maintenant on demande à un gestionnaire de se repointer à une AG, etc., donc c'est des frais supplémentaires, donc nous on veut refacturer la préparation de la convocation d'assemblée générale. Bon, moi ça tient pas. Maître Dino tout à l'heure a évoqué le point de la notion de première assemblée générale. Est-ce que c'est un lien avec ce que vient de dire Émile ? Non, ce n'est pas une première assemblée générale, c'est la notion d'assemblée générale ordinaire, parce que le contrat type parle, le syndic se doit d'assurer gratuitement une assemblée générale ordinaire. Donc là, l'assemblée générale qui a été convoquée, ou même des fois même pas convoquée, quand elle n'a pas du tout été convoquée, je ne vois pas comment le syndic peut dire non, c'est une deuxième, ça ne tient pas la route. Mais celle qui a été convoquée et qui ne s'est pas tenue, juridiquement, ce n'est pas une deuxième assemblée générale, c'est une nouvelle assemblée générale, c'est l'assemblée générale ordinaire, parce que le texte dit bien qu'il faut une assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les comptes. Cette assemblée générale n'a pas eu lieu, le syndic se doit de la convoquer dans les meilleurs délais en fonction de toutes les contraintes qu'on a indiquées. On parle bien de la même assemblée générale et celle-là, le contrat type doit s'appliquer. Donc, le syndic qui explique que son gestionnaire va travailler plus, enfin honnêtement, c'est on est à la limite du risible. Encore une fois, la vraie question, c'est sur les frais de reprographie, parce que là, on peut comprendre que le syndic les mauvaises parce que il va payer deux fois. Mais je vois difficilement comment juridiquement il peut justifier qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de prendre en charge le deuxième coup de reprographie. Donc, on est bien d'accord, mais même je veux dire même au-delà de l'AG, c'est même les réunions du conseil syndical. Donc on est bien d'accord. La règle en fait à retenir, c'est qu'on est bien sur un nouveau contrat, certes qui a été validé par les dispositions légales et réglementaires. Mais donc, on est sur un nouveau contrat, donc on remet les compteurs à zéro. Donc, les réunions du conseil syndical, à partir du moment où il était prévu dans le contrat initial 2 réunions, donc le conseil syndical peut bénéficier de deux réunions supplémentaires dues à ce renouvellement de contrat sans que les syndics puissent réclamer une vacation supplémentaire. Oui, oui. Bon. Après, c'est le renouvellement, comme tu rappelais, c'est jusqu'à la prochaine assemblée générale qui doit se tenir au plus tard le truc. Donc, je pense qu'aussi, du côté des copropriétaires, faut pas trop pousser en exigeant des réunions, enfin, pour prendre, entre guillemets, la totalité du forfait prévu annuellement dans un délai de 6 mois. Enfin, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais n'oublions pas aussi une chose, c'est que pendant cette période de confinement,
Alors là, je vais me prendre des bourrasques, mais de certains syndics et autres intervenants, il y a eu, comment dire, aussi une activité réduite. Oui. Donc, en réalité, ils ont, pour le moment, sauf erreur de ma part, les chambres professionnelles n'ont pas dit, compte tenu du fait qu'on a une activité réduite, on réduit nos honoraires. Donc, d'un côté, sur le contrat initial, ils ont perçu l'intégralité de leurs honoraires sans forcément faire l'intégralité de leurs obligations contractuelles. D'un autre côté, lorsqu'il y aura un renouvellement, eh ben, c'est de bonne aloi de dire maintien des honoraires, mais d'un autre côté, vous allez tirer un peu plus parce qu'il faut qu'on rattrape le retard. En tout cas, bon, ce que je veux dire, on ne va pas trop s'épiloguer là-dessus. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'est pas sur une prolongation du contrat, on est bien sur un renouvellement. Qui dit renouvellement dit nouveau contrat, donc compteur remis à zéro pour l'ensemble des prestations incluses dans le forfait de base. Voilà. J'avance très rapidement parce que… après, on va passer, parce que la suite, c'est quoi? C'est toujours sur les contrats? Non, très rapidement. Bon, sur la carte professionnelle, il y a une prolongation des cartes professionnelles. Donc, on l'a déjà présenté. On l'a présenté. Alors, c'est plutôt… Ça, c'est que je propose. Pourquoi tu ne le présenterais pas la semaine prochaine? Le quoi? La suite? Oui, la gestion économique. Bah, si vous voulez, on peut… Parce que là, on va passer, si tu veux, on va passer au chantier, là. D'accord. Bon, alors, donc… Donc, tu vas sur la partie gestion des chantiers, s'il te plaît. Donc, comment dire? Donc, on met de côté toute la partie, effectivement, financière, économique est importante, puisque, en réalité, c'est le nerf de la guerre. Et donc, on passe directement à tout ce qui est gestion des bon, vous le voyez, on vous le défile rapidement, mais on le reprendra sur la question, comment dire aussi, de… On le reprendra la semaine prochaine. Les forces majeures, etc., on abordera ça. Alors, la question de la gestion des transports. Si, la question des forces majeures, c'est intéressant. Tu peux la poser. On peut dire, excusez-moi, on peut dire, donc finalement, on est un peu pris par le temps, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire, et donc c'est merveilleux aussi d'avoir toutes ces informations. On peut dire que les adhérents, finalement, là, ils ont la présentation qui leur est partagée. Donc déjà, ils vont voir le contenu de la présentation. Merci, Émile, de l'avoir partagée. Et donc, on passe sur la deuxième partie là, qui était prévu avec Claude Fouet. Si tu as deux, trois questions. Émile, avant, peut-être questionne nos experts sur l'idée, la notion de force majeure, parce que c'est aussi intéressant pour les chantiers. Vas-y. Ouais. Alors, la question de la force majeure, on l'a abordée là. C'est une question assez complexe. Et comment dire, je laisserai plus le regard des avocats par rapport à ça, puisque je l'ai déjà présenté, la notion de force majeure. Alors, cher maître Baumgartner, par exemple, la question, est-ce qu'on peut aujourd'hui évoquer le Covid-19 ou la Covid-19, puisque j'en ai dit que c'était la Covid-19, comme étant une force majeure dénouant de toute obligation des parties contractantes? Alors, c'est une question qui est pas résolue, hein. Il faut être très, très clair là-dessus, très honnête. Est-ce que la COVID-19 est un cas de force majeure? En l'état actuel, il n'y a aucune loi ou aucun décret qui le dit. Donc, il faut déjà partir de ce principe-là. Et ensuite, on a au jour d'aujourd'hui aucune décision judiciaire d'une juridiction au minimum de fonds pour des raisons de délai qui a dit oui, effectivement, la COVID-19 est un cas de force majeure. Autrement dit, invoquer aujourd'hui la force majeure, dire que le COVID-19 est un cas de force majeure, c'est aux risques et périls de celui qui va l'invoquer. Et donc, il faut faire très attention parce qu'il n'y aura jamais de loi ou de décret qui va dire oui, effectivement, le Covid-19 était un cas de force majeure, ce qui permettrait donc de se libérer de certains contrats et de l'exécution de certains contrats en invoquant la force majeure. Et il faut bien comprendre que le temps judiciaire est très long et que donc pour arriver par exemple à une décision de la Cour de cassation qui reconnaisse le Covid-19 comme un cas de force majeure, il faut compter au minimum, même si on a un référé et un appel à jour fixe devant la Cour d'appel, il faut compter au minimum un an et demi, voire 2 ans avant d'avoir une décision de la Cour de cassation. Il pourrait y avoir avant une juridiction qui demande un avis à la Cour de cassation, qui est une procédure qui permet à tout juge de solliciter de l'avis de la Cour de cassation sur un point précis.
Mais là encore, on n'est pas certain que la Cour de cassation rendra un avis très clair, très net, parce que compte tenu des conséquences que ça pourra avoir, il est fort probable qu'on n'aura pas un avis qui nous dira « oui, c'était un cas de COVID, c'était un cas de force majeure ». Donc, à l'heure actuelle, il faut être très, très, très prudent. Quand on invoque la force majeure, ça peut se retourner contre celui qui l'invoque. Si on prend par exemple l'histoire des chantiers, si on dit force majeure côté copropriété, eh bien, l'entreprise aussi va pouvoir dire force majeure et donc je ne fais pas les travaux, je ne paye pas les surcoûts, puisque c'est un cas de force majeure, ça s'applique donc aux deux parties. Donc actuellement, moi j'aurais tendance à être prudent et à partir de l'idée, mais là si mon confrère Odino a une autre idée, je suis preneur, hein, que la COVID-19 n'est pas un cas de force majeure. Parce que dans les conditions de la force majeure, qui sont l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité, l'extérieur, bon, c'est sûr, le virus, c'est un événement extérieur au parti, donc là-dessus, la condition est résolue. L'imprévisibilité, c'est discutable, surtout pour les contrats qui ont été conclus à compter de l'apparition de l'épidémie. Et puis, il y a le troisième point qui est très important, c'est l'irrésistibilité du COVID-19. Il n'y a pas un arrêt complet de l'activité économique, il n'y a pas un arrêt complet des contrats. Et dans le cadre des chantiers notamment, on sait que les chantiers, a priori, peuvent reprendre, comme on va le voir après, du moment qu'on respecte certaines conditions. Donc, il faut partir, à mon avis, hein, mais c'est un avis personnel et il est tout à fait contestable. Il faut partir du principe que le COVID-19, à mon avis, n'est pas un cas de force majeure parce que il n'empêche pas complètement l'exécution du contrat. Et notamment dans les chantiers, on peut reprendre des chantiers. Il y a d'ailleurs des chantiers qui ont déjà repris du moment qu'on respecte les conditions. Donc, de toute façon, ce sera une appréciation au cas par cas. Donc, il ne faut surtout pas partir du principe que le COVID-19 est un cas de force majeure. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et se dire, est-ce que oui ou non, on est vraiment dans le respect des trois conditions de la force majeure. Moi, je pense qu'il faut partir du principe que non. Mais je laisse la vie, c'est ouvert. Cher maître, alors pour aller plus loin dans la réflexion, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si une société ne peut pas évoquer la force majeure, s'il y a du retard dans les chantiers avec des pénalités, si, comment dire, un prestataire d'entretien n'a pas assuré ses visites d'entretien des ascenseurs ou du chauffage, on est en droit de demander des pénalités ou du moins un avoir sur les factures. Alors, ça va être vraiment du cas par cas. Effectivement, prenons l'exemple d'une chaudière qui tombe en panne dans une copropriété. Il y a un contrat d'entretien et le syndic fait son travail, appelle le prestataire et le prestataire ne se déplace pas sous prétexte que il y a une épidémie, c'est un cas de force majeure. On est justement dans une situation où l'invocation d'un cas de force majeure est extrêmement dangereuse pour le contractant parce que le prestataire, comment va-t-il justifier que ses salariés n'ont pas pu se déplacer alors qu'il avait justement, lui, en tant qu'employeur, il avait l'obligation justement de garantir la sécurité sanitaire de ses employés et que donc, il avait l'obligation de s'assurer que ses salariés pouvaient se déplacer et ne pas prendre de risques en termes sanitaires. Donc, ce serait très dangereux, là, dans ce cas-là, pour le prestataire de dire « je ne me déplace pas, c'est un cas de force majeure » parce que, au contraire, avec des précautions, on peut parfaitement surmonter le cas de force, non pas, enfin, le cas de l'épidémie et faire en sorte que ce ne soit pas un cas de force majeure. Donc, effectivement, le prestataire extérieur qui ne se déplacerait pas parce qu'il prétend que c'est un cas de force majeure, il risque, oui, des pénalités et une résiliation pour faute du contrat, effectivement. Donc, pour pousser le bouchon, un syndic qui refuserait de venir dans l'immeuble pour faire les visites de l'immeuble, s'il ne les a pas assurés, on peut demander un avoir sur les honoraires alors. Alors, il peut très bien ne pas les avoir assurés en disant « attendez, c'est un cas qui peut se poser ». Si par exemple un syndic apprend que dans l'immeuble, il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées par le virus, il va très bien pouvoir dire « écoutez, je veux bien faire
éventuellement une visite, mais sous certaines conditions et en ayant l'assurance que vous aurez que je ne vais pas rencontrer ces gens et ainsi de suite. Je pense qu'il faut faire très attention et pas ne pas s'attacher à des cas généraux. Il faut vraiment y aller cas par cas et vraiment partir du principe qu'on n'est pas en présence d'un cas de force majeure parce que il peut, en prenant certaines précautions, on peut tout à fait surmonter le problème du Covid. Alors, dernière question. Alors, ces fameuses pénalités de retard pour chantier non terminé dans les temps, on peut les appliquer ou pas ? Même réponse. Je suis désolé, Émile. Ouais. Je pense qu'il faut regarder effectivement chaque cas parce que effectivement, si par exemple le chantier est essentiellement un chantier en extérieur, sur des parties communes extérieures par exemple, on peut très bien dire à l'entreprise qu'elle pouvait parfaitement venir sur le chantier, prendre les précautions d'usage qui sont celles habituelles par le code du travail, le code de la santé publique, le code de la construction, et terminer le chantier dans les délais, étant précisé qu'elle peut très bien invoquer aussi le fait qu'elle a dû apprendre un certain temps avant d'avoir pu se mettre finalement aux normes du nouveau chantier post-Covid. On va y revenir, mais voilà, il faut vraiment voir parce qu'un chantier, par exemple, en extérieur et un chantier dans des parties privatives ou des parties communes intérieures, je pense que la réponse ne sera pas toujours la même. Mais on va y revenir tout à l'heure. Je veux dire, Maître Audino, sur la notion de force majeure, qu'est-ce que vous en pensez ? Je partage tout à fait le point de vue de mon confrère. Enfin, il ne faut pas prendre une position radicale, s'accrocher à ça et puis aller plaider. C'est un argument dans le cadre d'une négociation, parce que c'est une épée de Damoclès au-dessus de toutes les parties. Mais bon, on n'a aucune idée devant les juridictions de quel côté ça va tomber. Hein. Et je pense, comme l'a dit mon confrère Baudgartner, que la Cour de cassation sera très réticente à activer ça, parce que enfin, d'une manière générale, ça aura des conséquences énormes et complètement imprévisibles pour tout le monde. D'accord. Émile, tu peux dérouler, s'il te plaît. Donc, je vais aller assez vite, hein, je le dis pour les personnes connectées, parce qu'il y a des choses qu'on a déjà vues. Tu y vas, Émile, hein? Je te laisse prendre la main. Hein. Oui. Alors, donc, sur les travaux d'entretien, donc la poursuite des activités des gardiens et des employés d'immeubles, globalement, ça s'est assez bien passé. On n'a pas eu beaucoup de remontées de problèmes. Les gestes barrières ont été respectés. Ils étaient équipés de… Nous, on ne te voit pas. Hein. Comment ? On ne te voit pas. Oui, d'accord. Mais s'ils voient les transparents, c'est le mieux. Alors, et donc, globalement, sur les gardiens, tu peux continuer. Hein. Vas-y. Sur les employés d'immeubles, même chose. Bon, au démarrage de la période de confinement, il y a eu quelques personnes absentes parce qu'il y avait des mesures dérogatoires qui s'imposaient, tout ça. Mais des solutions ont été trouvées. Donc, là aussi, donc, ça tient la route. Vas-y, continue. Et puis bon, il y avait, je ne reviens pas sur les mesures, la prise d'une semaine de congé. Sur la recommandation, oui, parce que ça, c'est pas repris, je vois. Mais donc, sur les congés, donc on a été souvent questionné. Est-ce qu'on oblige les gardiens ou les employés d'immeubles à prendre les congés avant le 31 mai? Donc, nous, ce qu'on a dit, nous, c'est que ça, c'était à gérer avec intelligence, quoi. Donc, avec possibilité d'aller au-delà du 31 mai en fonction de l'implication du gardien, de son comportement lors de cette crise. Sur les sociétés de ménage, même chose. Et donc, la recommandation qu'on a faite, c'est de dire de bien tracer celles qui ont été assurées, celles qui n'ont pas été assurées. Il est évident que là, hein, vous avez des contrats avec ces sociétés de services. Ah, s'ils n'ont pas fait les prestations qui étaient prévues dans le contrat, ben, il ne faudra pas les payer parce que, par ailleurs, c'est peut-être que ces prestations, vous les avez confiées à d'autres sous-traitants. Donc là, la recommandation, c'était de bien tracer hein, ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été réalisé et de faire correspondre la facturation. Alors, juste une petite question, encore une fois, aux avocats. Aujourd'hui même, en phase de déconfinement, quelles sont les obligations du syndicat vis-à-vis des gardiens et employés d'immeubles ? Alors, c'est les obligations de tout employeur vis-à-vis de l'un de ses salariés. C'est-à-dire l'obligation de résultat d'assurer sa sécurité sanitaire
Et donc, d'abord, en prenant les mesures d'information des copropriétaires pour que, par exemple, ils ne viennent pas les voir à la loge, qu'ils ne cherchent pas à entrer en contact avec eux, à prévenir les copropriétaires que le concierge, enfin le garde d'immeuble, doit avoir son espace réservé et tranquillisé. C'est ensuite lui fournir les moyens d'assurer ses missions. Donc notamment fournir des masques, fournir des gants éventuellement ou tout autre équipement nécessaire. Et puis, ne pas le contraindre à aller voir par exemple les copropriétaires pour ne pas entrer en contact avec eux, tout simplement. Ce sont les obligations normales, on va dire, de l'employeur vis-à-vis de son salarié qui sont renforcées du fait de la présence d'un nouvel élément qui s'appelle le COVID-19. Mais en particulier, si, par exemple, si la loge a été fermée parce qu'ils ne pouvaient pas accueillir de personnes à la loge, s'ils ont interrompu le service de réception des colis, ça continue aujourd'hui. Il n'y a rien qui est... Non, mais il y a des... Moi, je sais qu'avec certains clients syndics, on a trouvé des solutions. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a pour la réception des colis, eh bien, le gardien réceptionne les colis, les met devant sa loge et prévient les copropriétaires, enfin les occupants, voilà, les colis sont là, venez les chercher l'un après l'autre, je les surveille. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a rien qui oblige aujourd'hui, par exemple, à réouvrir la loge. Hein, c'est toujours les mêmes mesures. Tout à fait. Si cette loge ne permet pas d'assurer la distanciation avec les résidents, hein, donc il n'y a aucune obligation pour eux, ils continuent selon l'organisation qui avait été mise en place lors du confinement. On était là. Absolument, oui, tout à fait. Et deuxième question, avant la troisième, est-ce qu'un gardien peut refuser d'assurer les nettoyages de parties communes du fait qu'il y a du passage dans les parties communes? Alors, ce serait c'est très difficile pour un salarié d'invoquer le droit de retrait. En revanche, si il constate que le syndic ne met pas tout en œuvre pour assurer la libre circulation dans les parties communes au moment où il fait le nettoyage, il pourra toujours dire, écoutez, moi, je ne vais pas nettoyer maintenant parce que vous n'arrêtez pas de vous déplacer. Voilà. C'est au cas par cas, une fois de plus. Hein. D'accord. Et dernière question qui m'a été posée par rapport à la prime des 1 000 euros. Donc, une prime de 1 000 euros. J'allais y venir, attends un peu, Émile. J'allais y venir. Vas-y. Je ne sais pas, le slide suivant, mais je n'ai pas l'impression que tu as… Vas-y, le slide suivant. Alors, le slide suivant, donc ce que je voulais dire, c'est que les gardiens employés d'immeubles peuvent bénéficier d'une prime exceptionnelle. Ça, on l'a déjà dit. Hein. Donc, normalement, cette prime devait être votée en Assemblée générale, hein, mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de tenue d'Assemblée générale, ce qu'on vous a recommandé, c'est que ce soit une décision concertée entre le syndic et le conseil syndical pour l'attribution de cette prime exceptionnelle qui peut aller jusqu'à 1 000 euros. Elle est modulable, elle peut aller jusqu'à 1 000 euros. Donc ça, c'est pour les gardiens et employés d'immeubles. Pour les sous-traitants qui font le nettoyage, la question avait été posée à l'occasion d'un précédent webinaire, ça, c'est à leur employeur de gérer ça. Hein. Ce n'est pas la copropriété qui doit décider de cette attribution. Je fais quand même une distinction entre la prime qui est attribuée par la copropriété au gardien de l'immeuble. Il faudra de toute façon quand même une décision d'Assemblée générale. Hein. Je pense que le syndic et le conseil syndical peuvent se mettre d'accord sur le principe de cette prime. Ça n'engage à rien, mais il faut impérativement que l'Assemblée générale ratifie au moins la décision. Oui, elle sera ratifiée par l'Assemblée générale. Et en ce qui concerne les prestataires extérieurs, c'est bien évidemment les prestataires extérieurs qui sont les employeurs et qui décideront si oui ou non ils accordent une prime à leurs salariés. La contrainte, c'est que cette prime, il faut la payer avant le 31 août. C'est pour ça qu'il y a des assemblées générales qui le soutiendront après. Donc, il faudra bien le ratifier à l'Assemblée. Oui, tout à fait. Absolument. Alors, comment dire, moi, quand même, avec un petit bémol sur ce qui a été dit, parce que j'ai eu ma propre expérience et de manière plus large au niveau des copropriétaires, il n'est pas si évident que ça que les copropriétaires valident cette prime de 1 000 euros. Et donc, en réalité, eux-mêmes sont en difficulté financière et disent, après tout, bon, encore une fois, on a compris la réplique des avocats,
c'est du cas par cas, mais ils ont fait, pour certains, ils ont fait le minimum, on se dirait. Donc, en fait, moi, je veux quand même faire un petit bémol. Ce n'est pas une décision concertée, c'est juste une décision qui est à la charge du syndic après avis consultatif du conseil syndical. Donc, en réalité, le maître d'ordre, c'est bien le syndic et c'est lui qui impulse la dépense. Et c'est le conseil syndical ne peut donner qu'un avis, mais la responsabilité du décaissement de la dépense, elle incombe au syndic. Et donc, il ne faut pas mouiller le conseil syndical parce que tout simplement, il n'est pas le représentant légal. Et encore une fois, je vous dis, moi, de ma propre expérience, beaucoup, en réalité, de copropriétaires ne sont pas favorables de donner, encore une fois, une prime qui peut aller de 1 à 1000 euros. Et donc, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait si la prime, elle a été versée et que ensuite l'Assemblée générale dit, mais attendez, elle ne s'est pas exposée au public, machin bidule, 1000 euros, pourquoi ces fameux 1000 euros? Donc, on refuse de ratifier ces 1000 euros. Et là, la question, est-ce qu'on va demander au gardien ou employé du membre de rembourser? Est-ce qu'on va faire jouer la responsabilité civile professionnelle du syndic? Donc, il y a un petit bémol, c'est pas un avis, c'est pas une décision concertée, c'est une décision qui est à la charge du syndic après avis du conseil syndical. Et si au final le syndic ne se sent pas en mesure de supporter cette décision là, il n'a pas à la faire reporter sur le conseil syndical. Et donc la mesure est de dire, moi je peux pas assumer cette responsabilité, je ne suis pas en capacité de la prendre. Et donc, on a eu les syndicats des gardiens qui ont demandé justement ce report au 31 août. Ça a été refusé. Le ministère a dit, maintenant, on ne va pas créer deux régimes, un pour les salariés d'Auchan et un pour les employés gardiens. C'est 31 août. Donc, pour résumer, soit l'AG s'est tenu avant le 31 août, ça a été ratifié, dont acte. Soit ça peut pas se tenir avant le 31 août, le syndic assume sa décision avec le risque qu'en Assemblée générale, ça ne soit pas ratifié. Bon, attends, parce que fais pas trop long, Émile, là, tu nous as pris le temps au début. Donc, quel est l'avis, là, Maître Bongardeur et Maître Audino, par rapport à ce point? Quel est le risque court, enfin, ou comment gérer au mieux cette demande, parce qu'effectivement, il y a du personnel qui a été méritant, qui s'est dévoué et tout ça. Comment le gérer au mieux quand il n'y a pas d'assemblée générale prévue avant le 31 août? Tout le monde est d'accord, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit le syndic en relation avec le conseil syndical, mais le conseil syndical ne donne qu'un avis, prend la décision de payer, mais potentiellement il engage sa responsabilité civile, parce que si l'Assemblée générale derrière refuse cette ratification, il est censé rembourser cette prime au syndicat des copropriétaires. Soit il ne prend pas le risque et le salarié n'aura pas de prime. Et si l'Assemblée générale décide a posteriori, parce que tout de même l'Assemblée générale peut toujours décider une prime, la copropriété bénéficiera pas des dispositions dérogatoires où il y a une exonération de charges sociales ou quelque chose comme ça, la copropriété paiera les charges plein pot. Non, je suis entièrement d'accord. D'accord, sur cette analyse. Bon, on va passer donc, alors, maintenant, la gestion des travaux de maintenance et des interventions urgentes. Donc là, je veux dire, les points, ça s'est plutôt bien passé dans les copropriétés. Je veux dire, dans la plupart des copropriétés, quand il y avait des interventions urgentes, les sociétés sont intervenus. Donc, il y a des mesures particulières à prendre. Si tu peux passer le slide suivant, Émile. Des mesures particulières à prendre lorsqu'il y a des interventions, en particulier quand il y a des cas de Covid. Si des cas de Covid ont été constatés dans la copropriété, il faut prévenir les sociétés intervenantes, évidemment. Qui doivent prendre des précautions du type masque, du type etc. etc. Donc, il y a quand même pas mal de précautions. Julien, tu veux intervenir sur ça, compléter? Oui, alors il y a deux points là-dessus qui sont importants. Le premier, c'est est-ce que le syndic a le droit de prévenir une entreprise qu'il y a des gens qui sont atteints du virus dans la copropriété?
Est-ce que les copropriétaires ont l'obligation de se signaler? Je ne pense pas, hein, ça c'est certain. Et donc, le syndic, à mon avis, ne va pas dire à l'entreprise qu'il y a des cas de Covid dans l'immeuble, parce qu'il ferait une violation du respect de la vie privée. Et deuxième point, de toute façon, l'entreprise, elle, mais ça, je pense qu'on va en parler après, elle est obligée de respecter toutes les conditions sanitaires nouvelles liées au Covid-19. Et donc, elle doit équiper ses salariés pour que, justement, il n'y ait aucun risque de prix. Alors, sur les, donc il y a des mesures qui ont été prises concernant les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction. Hein. Donc, si tu peux y revenir, Julien, donc c'est en fonction de l'échéance de l'état d'urgence. Donc, il y a un décalage de certains délais, à la fois pour les contrats tacite reconduction et aussi pour les garanties sur les chantiers, garanties de parfait achèvement et autres. Oui, alors bah, en fait, c'est relativement simple. Hein. Tous les contrats qui sont arrivés à échéance avant le 12 mars et qui n'ont pas été renouvelés ne sont pas renouvelés, simplement. Ils ont été arrêtés. Ceux qui sont arrivés à échéance entre le 12 mars et maintenant, donc le 10 août 2020, lorsqu'une partie a été empêchée de le renouveler, eh bien, le contrat a été renouvelé automatiquement. En tout cas, il est pour l'instant en prolongé de toute façon jusqu'au 10 août 2020. Ensuite, il y a les contrats qui arrivaient dans une période déterminée, dont la partie dont le terme arrivait pendant la période entre le 12 mars et le 10 août. Dans ce cas-là, la partie bénéficie d'un report pour résilier son contrat ou pour refuser le renouvellement tacite jusqu'au 24 août. C'est notamment le cas pour tous les contrats à échéance successives, tous ceux qui arrivaient à échéance pendant la période entre le 12 mars, et le 10 août. En ce qui concerne toutes les garanties liées à la construction, que ce soit la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale des équipements, la dommage ouvrage ou la garantie décennale, eh bien, tous les délais sont augmentés de la période d'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que, par exemple, une décennale qui est arrivée à échéance entre le 12 mars et le 10 août, par exemple, qui arrive à échéance aujourd'hui, le 13 mai, eh bien, son échéance est repoussée au minimum jusqu'au 10 août, au minimum, hein, puisqu'il y a sans doute, il y aura sans doute des prolongations. Pourquoi tu parles de 10 août? C'est quoi cette date du 10 août dont on nous pose la question? C'est parce que dans l'état actuel du droit, depuis la loi du 11 mai, on a repoussé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. D'accord. Et donc, on a prévu un délai d'un mois, du 10 juillet au 10 août, pour permettre le renouvellement des contrats, c'est-à-dire ceux qui expirent entre le 12 mars et la fin de l'état d'urgence sanitaire qui est fixé au 10 juillet actuellement, avec possibilité de qu'il soit. Enfin, je ne suis pas certain qu'il sera. Sauf si, enfin, s'il n'y a pas de reprise de l'épidémie, je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel acceptera une prolongation de l'état d'urgence. Donc, par exemple, une garantie de parfait achèvement qui s'achève avant le 10 août, elle est automatiquement repoussée jusqu'au 10 août. De même, une garantie qui, par exemple, arrivée à échéance, on va dire par exemple au 30 octobre de cette année, eh bien, la période du 12 mars au 10 août sera reportée en fait postérieurement à la date d'échéance, puisque par exemple une garantie de parfait achèvement ou une décennale, ça s'arrête. Ce qui s'arrêterait par exemple au 30 octobre, eh bien, il y a eu toute une partie pendant laquelle on suppose avec l'état d'urgence sanitaire qu'elle n'a pas pu être mise en œuvre. Et donc la période qui va du 12 avril au 10 août permet de gagner du temps postérieurement à la date d'échéance de la décennale. Voilà. C'est, en fait, on gagne, toutes les garanties sont repoussées en quelque sorte. Voilà, donc les contrats qui arrivaient à échéance sans tacite reconduction pendant cette période, ceux-là, ils se sont arrêtés à la période prévue, à la date prévue. Par contre, ceux avec tacite reconduction, les délais ont été reportés comme vient de. Oui, c'est ça.
Julien. Hein, donc ça, c'est à suivre de près avec vous. Alors, sur les travaux de rénovation, reviens à la page précédente, Émile. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est la production de guides. Hein. Donc, il y a eu d'abord le guide des bonnes pratiques hein, qui a été mis en œuvre par l'OPP-BTP. Hein, et puis, maintenant, pratiquement chaque branche d'activité produit son guide. Il y a celui sur les diagnostics, il y a celui sur l'amiante. Bon. Et il y en a une soixantaine qui sont annoncés de guides, où là, on y prévoit donc, ce qui relève du maître d'ouvrage, ce qui relève du maître d'œuvre et des entreprises, hein, ce qui relève de la responsabilité de ces acteurs de chantier. On a eu déjà l'occasion d'y revenir. Évidemment, pour qu'un chantier reprenne, il faut que tous les acteurs soient mobilisés, soient d'accord. Hein, donc, le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, les CSPS, voilà. Hein. Donc, les questions qui se posent aujourd'hui, hein, au-delà de l'application de ces guides, de la réactivité des entreprises, c'est la question des surcoûts. Hein. Aujourd'hui, hein, il y a des copropriétés qui commencent à recevoir des factures parce que il a fallu prolonger la location de l'échafaudage et donc ça génère un surcoût parce que il est recommandé dans le guide sanitaire de mettre en place un référent Covid. Donc, on commence à voir par exemple des CSPS qui envoient une facture parce que l'appropriation de la réglementation, tout ça, ou des règles à appliquer pour le Covid-19, ça nécessite du temps, tout ça. Donc, voilà. Donc, on commence à voir apparaître des surcoûts. Et donc, là, ça va se bagarrer, c'est clair, hein, entre les entreprises, les maîtres d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, pour savoir qui va supporter les surcoûts. Vous avez vu au niveau national, je crois que c'est le ministre qui a évoqué l'idée d'un partage des surcoûts entre la maîtrise d'ouvrage public, les entreprises, afin de trouver des compromis. En sachant que par ailleurs, les entreprises ou les fédérations des entreprises essaient de négocier des réductions de charges. Je veux dire, si d'un côté ils font payer les surcoûts et si de l'autre côté ils obtiennent des réductions de charges, tout ça, donc. Ils vont gagner sur deux côtés. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est, Julien et Maître Dinon aussi, hein, on est dans cette phase où on voit apparaître des sollicitations pour des surcoûts. Bien souvent, il n'y a pas eu de protocole de reprise de mise en place, même si le guide le dit, mais bon, il n'y a pas eu de protocole de reprise. Un protocole de reprise, ça doit permettre justement de tracer toutes les responsabilités, à la fois par rapport aux problèmes de sécurité, mais aussi aux problèmes financiers. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de protocole, mais il y a quand même des factures qui se baladent, des surfacturations qui se baladent. Donc oui, l'intérêt de ce protocole, comment s'y prendre, voilà. Donc Julien, peut-être pour comment dire, pour rester factuel. Moi, j'avais interrogé donc nos invités et amis, avocats, arrêt de chantier. Qui assume les conséquences financières de l'arrêt de chantier ? Le prestataire ou le syndicat ? D'un point de vue juridique. Voilà. Donc, il y a la problématique. Julien, tu y vas, là ? Oui, oui, tout à fait. Alors, l'arrêt de chantier, je pense que dans 99% des cas, il n'a pas été formalisé. Ça, c'est clair. Alors, qui va assumer la responsabilité ? De quelle responsabilité on parle ? Les conséquences financières. Voilà, les conséquences financières. Ça, c'est sûr que ça va être un problème, ça va être des cas de contentieux très importants, hein, parce que la suspension du chantier, finalement, elle relève d'une décision gouvernementale qui s'impose tant au maître d'ouvrage qu'à l'entreprise. Alors, c'est pour ça que finalement, la responsabilité de l'arrêt du chantier, à mon avis, ne va pas se poser.
que ce soit le maître d'ouvrage qui a dit à l'entreprise vous arrêtez, ou que ce soit le maître d'œuvre qui est maître d'ouvrage délégué et qui suit le chantier, qui dit vous arrêtez, vous partez parce que les conditions ne sont pas réunies, ou l'entreprise qui dit moi je m'en vais parce que de toute façon ce n'est pas possible, je pense que là, il n'y aura pas de, on va dire, de responsabilité parce que c'est une décision qui s'imposait de toute façon à toutes les parties au chantier. Mais c'est vrai qu'on va avoir donc des coûts supplémentaires, donc notamment l'échafaudage, quand il a été installé avant la suspension, qui va rester pendant toute la période du confinement, les frais de gardiennage, par exemple, à qui vont être imputés. On peut aussi penser à la responsabilité de la garde des travaux, s'il y a des dégradations, des vols, des intrusions. Et puis, quid s'il y a, par exemple, des désordres sur le chantier liés à des événements climatiques, comme par exemple les orages. Mais pardonne-moi, mais juste une question simple. En quoi le syndicat des copropriétaires serait responsable et en quoi le syndicat des copropriétaires devrait supporter les conséquences de l'arrêt de chantier? Alors, j'y viens. Parce que normalement, il faut être très pratique. Le chantier est arrêté. On est en phase de travaux. Donc, par définition, celui qui a la garde du chantier, c'est bien évidemment l'entreprise. Et c'est pour ça que je faisais la distinction entre les différents coûts. Si, par exemple, on a des dégradations sur le chantier, des intrusions, des vols, des désordres, bien évidemment, là, la responsabilité, donc le coût supplémentaire, va être à la charge de l'entreprise parce que c'est elle qui a la responsabilité du chantier. En ce qui concerne l'échafaudage, la question, là aussi, va se poser, qui a fait le contrat avec l'échafaudage, avec le constructeur d'échafaudage. Est-ce que c'est le maître d'ouvrage ou est-ce que c'est un sous-traitant de l'entreprise? Dans les deux cas, je pense que si le maître d'ouvrage a contracté directement avec l'échafaudiste, par définition, le surcoût va lui imputer. Parce qu'effectivement, c'est lui qui a contracté. L'entreprise va dire, moi, j'ai aucun lien contractuel, je ne vais pas le payer. En revanche, si c'est un sous-traitant de l'entreprise, eh bien, dans ce cas-là, le maître d'ouvrage pourra dire, écoutez, moi, je n'ai pas de relation avec l'échafaudage, c'est vous qui l'avez embauché. Donc, par définition, c'est vous qui réglez les surcoûts, les pénalités et surtout les loyers complémentaires. Donc, effectivement, on va arriver dans une situation où il va y avoir des coûts qui vont être partagés. Ça, c'est une évidence parce qu'il y a certains coûts qui peuvent éventuellement être à la charge du maître d'ouvrage. Mais je pense que la plupart des coûts vont être pris en compte par l'entreprise parce que, de façon purement pratique, quand moi je me dis, voilà, le chantier est arrêté, qu'est-ce qui a pu se passer pendant toute cette période? Pour moi, c'est une activité, c'est un problème de garde, de surveillance du chantier. Et tant que la réception n'est pas intervenue, ce sont les entreprises qui sont responsables du chantier. Donc, a priori, mis à part effectivement éventuellement l'échafaudage, et tant que le Covid n'est pas un cas de force majeure, eh bien, je pense que les dispositions contractuelles vont s'appliquer, purement et simplement. Et que donc, s'il y a un surcoût, eh bien, il est à la charge de celui que le contrat a désigné pour les supporter, a priori. Je partage tout à fait cette analyse. Tout ce qui est garde du chantier, par définition, c'est à la charge de l'entreprise. L'échafaudage, ça va être le sujet. Traditionnellement, ça fait partie du marché. Le marché est forfaitaire, donc je vois difficilement comment l'entreprise va pouvoir refacturer ça au syndicat des copropriétaires, parce que là, il n'y a aucune faute du syndicat. Enfin, le syndicat y est pour rien, donc c'est pour l'entreprise. Et pareil, s'il y a j'ai vu passer une question, une augmentation du coût du matériau. Enfin, bien que les matières premières aient plutôt tendance à baisser à l'heure actuelle, mais bon, admettons que le coût du zinc augmente. Ça va être pour l'entreprise, il y a un marché forfaitaire, tant pis pour elle. Hein. Et puis, des négociations, il y en aura, des procédures, peut-être un peu, mais fondamentalement, les entreprises ne sont pas en position de force, sauf à avoir signé des pièces marché, donc des contrats avec des entreprises très particuliers, très spéciaux. Enfin, malheureusement, et je dis bien malheureusement, en matière de copropriété, les pièces marché sont bien souvent réduites au minimum, voire totalement inexistantes, ce qui est un vrai souci. Là, les architectes de copropriété, enfin, je ne sais pas s'il y en a certains qui nous écoutent, mais je suis toujours surpris quand il y a des procédures et que je demande des pièces marché, alors qu'il y a un architecte, de voir qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a aucune référence, aucune norme, pas de DTU, pas de pénalité de retard, c'est juste un devis signé bon pour accord. Bon, c'est comme toujours, il faut mieux prévoir à l'avance.
Pour la notion de, Julien, de protocole de reprise. Hein, oui, moi je pense qu'effectivement c'est un bon moyen justement de, d'éviter les contentieux qui risquent de pourrir à mon avis bon nombre de chantiers à cause de cette période de confinement. En gros, c'est de mettre en place un protocole de reprise de chantier entre le maître d'ouvrage et l'entreprise. Je pense que c'est très important et il faut respecter, il faut envisager essentiellement trois points dans ce protocole. C'est d'une part se mettre d'accord sur le fait que voilà, le chantier a été arrêté du fait des mesures gouvernementales et que donc il n'y a pas de responsabilité de l'une ou l'autre des parties là-dedans. Et puis ensuite, il faut se mettre d'accord sur les coûts supplémentaires en partant du principe que les contrats s'appliquent, Covid ou pas Covid, et que donc tout ce qui était à la charge des entreprises en cas de surcoût reste à la charge des entreprises. Ça, c'est, pour moi, c'est fondamental. Et puis, il y a le troisième point. Alors, je ne sais pas si on va y venir, Claude, maintenant. C'est évidemment le chantier post-confinement, l'obligation des parties de se mettre d'accord sur le respect de toutes les préconisations sanitaires, et notamment celle du guide de l'OPP BTP, en rappelant deux points très importants. Ce ne sont que des préconisations, hein. Elles n'ont pas de valeur légale ou réglementaire, mais elles n'ont pas d'obligation, elles ne s'imposent pas légalement aux entreprises. Elles ne font, en fait, elles s'insèrent dans toutes les obligations qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, sur les employeurs, en matière de santé des salariés. Avec cette difficulté, mais je ne sais pas si on y vient, Claude, ou pas, sur le fait que les travaux peuvent se dérouler dans des parties communes intérieures, voire dans des parties privatives. Et là, effectivement, il va peut-être y avoir une décision à prendre en ce qui concerne le maître d'ouvrage. Doit-il ou non informer l'entreprise de la présence de personnes contaminées, si tant est qu'il le sache? Et surtout, doit-il accompagner la reprise des travaux? Alors, je parle surtout là en partie privative ou en partie commune intérieure, d'accompagner cette reprise d'informations des copropriétaires pour leur dire voilà, avec des panneaux, peut-être des courriers disant les travaux vont reprendre, les travaux s'effectuent dans des parties communes, dans des couloirs, dans des cages d'escalier. Il faudra donc faire attention, éviter de descendre en permanence, enfin, oui, des choses comme ça. Voilà. Il va peut-être y avoir certaines obligations qui vont peser sur les maîtres d'ouvrage, les syndicats des copropriétaires, même si la responsabilité est quand même en grande partie sur l'entreprise, hein, puisque c'est elle qui a la responsabilité de la sécurité du chantier, c'est elle qui a la garde du chantier, donc c'est à l'entreprise d'empêcher toute intrusion sur le chantier. Intrusion, c'est-à-dire le passage de quelqu'un, par exemple d'un copropriétaire dans une cage d'escalier alors qu'il y a des travaux. Mais il faudra quand même, je pense, conseiller au syndicat des copropriétaires, notamment au syndic bénévole, je pense, parce que je pense que les syndics professionnels, eux, le sauront le faire, mais au syndic bénévole de prendre quelques mesures assez simples, mais qui, à mon avis, ne coûtent rien et il vaut mieux les faire. Par exemple, d'affichage et d'information des copropriétaires, en leur rappelant qu'il faut que le chantier ne soit pas gêné par les occupants, copropriétaires ou locataires. Voilà. C'est essentiellement ça. Et je pense que c'est des obligations qu'on peut mettre dans un protocole. Ça permet aux gens d'abord de discuter. Et l'intérêt de tout le monde, c'est que les chantiers repartent, surtout ceux qui étaient en cours au moment du confinement. Ça permettrait aussi éventuellement de se mettre d'accord sur un nouveau délai d'achèvement des travaux qui est nécessairement repoussé. Et donc, peut-être d'éviter justement des contentieux à l'avenir pour dire, ben voilà, le chantier a été arrêté de temps à temps, il va reprendre dans telles conditions et maintenant, on dit qu'il va s'achever à telle date. Alors, évidemment, ce ne sera toujours pas facile à faire signer, mais en tout cas, ça ne coûte rien, je pense, au maître d'ouvrage syndic de proposer à l'entreprise de se mettre autour d'une table, sachant que, par exemple, la MAF, l'assurance des architectes, a recommandé, avant même toute reprise de chantier, de faire des réunions en visioconférence avec tous les intervenants sur le chantier pour se mettre d'accord déjà, avant même de signer des protocoles de reprise. Donc, il va falloir que les gens discutent pour que justement la reprise des chantiers s'effectue dans les meilleures conditions.
Oui. Si on suit le guide, ça, donc le maître, on voit bien que le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage, il est responsable de la sécurité sanitaire, hein, des interventions. Donc il y a un minimum à faire, point d'eau, etc. Le point d'eau, oui, ça c'est essentiel, oui. Et puis on voit bien que s'il y a eu des cas de Covid, il doit en informer les entreprises. C'est-à-dire, et puis le maître d'œuvre, en fait, tous ceux qui sont susceptibles d'intervenir, même dans les parties communes. Donc, mais là, j'ai un sujet vie privée extrêmement important. Est-ce que le syndic a le droit de demander aux copropriétaires de signaler leur état de santé? Pour moi, il n'a pas le droit, déjà. Et il n'y a aucune obligation des copropriétaires d'informer le syndic du fait qu'ils sont atteints du Covid. Hein. C'est comme toute maladie, ça reste de la vie privée et personne n'y a accès. Et donc, le syndicat, que ce soit par l'intermédiaire de son syndic ou du syndic bénévole, prend un gros risque en disant à l'entreprise, attention, il y a des cas de Covid dans cet immeuble, sans même donner de nom d'ailleurs. Hein. Il prend un risque parce que… Pour toi, c'est intéressant. Donc, ce que dit le guide n'est pas applicable. Peut-être que mon confrère peut compléter, mais je ne vois pas un syndic aller dire à une entreprise, écoutez, un tel est atteint du Covid. Pour moi, il y a eu des cas. L'idée, c'était qu'il y a des cas. Quoi. Il va falloir rester très général, effectivement. Oui. Mais la grosse question, c'est comment le syndic est informé. Voilà. Via la rumeur, la radio gardienne, via des mails anonymes. Enfin bon, ça ne va pas du tout être fiable. C'est très risqué pour le syndic. Hein. Donc ça, ce n'est pas applicable, d'accord. Non. Enfin, sauf circonstances très particulières, mais enfin, d'une manière générale, il faut que le syndic, pour moi, réponde « j'en sais rien, je ne peux pas le savoir ». Voilà, prenez toutes les précautions nécessaires, mais je suis dans l'incapacité de vous donner ce type d'information. Le syndic est là pour gérer et administrer les parties communes, pas pour savoir si parmi ses copropriétaires, il y a des malades et de quoi en plus. En plus, il n'est pas là, le syndic. Donc, celui qui peut être le plus au courant, c'est le conseil syndical et il nous a déjà posé la question, le conseil syndical. Au travers du précédent webinaire, on avait est-ce qu'on doit informer, est-ce qu'on doit afficher. Donc, on avait dit que non. Non, je comprends que ce point n'est pas plus clair. Et derrière se pose, je ne sais pas si vous avez un avis, parce qu'il y avait le problème de la désinfection. Donc, est-ce qu'il faut désinfecter les parties communes? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans les appartements, quand il y a un cas de Covid, bon, ils désinfectent et tout. Bon, qu'est-ce que vous en pensez sur la désinfection? Si c'est le chantier doit être désinfecté par l'entreprise, c'est son obligation, hein. Ouais. Ça c'est certain. Ouais, mais après son intervention, mais avant. Avant le… Il y a eu des cas de Covid. Admettons qu'il y a eu des cas de Covid. Ouais. Je sais qu'il y a eu des cas de Covid. Je vais faire intervenir des entreprises. Est-ce qu'il est souhaitable que je fasse désinfecter mes parties communes? Alors, en tout cas, toute l'emprise du chantier est de la responsabilité de l'entreprise. Donc, c'est à l'entreprise de s'assurer qu'elle désinfecte l'emprise du chantier. Ensuite, les parties qui ne sont pas impliquées par le chantier, ça relève, on va dire, de l'entretien général de l'immeuble. Il n'y a pas d'obligation, à ma connaissance, pour le syndic et le syndicat des copropriétaires d'engager un processus de désinfection. Il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que c'est recommandé? Oui, c'était ça un peu le… Non, je ne pense pas. Non. Pour moi, il faut désinfecter les points de contact une fois par jour. Voilà, c'est ça. Enfin, en week-end, parce que de toute façon, on n'a pas le personnel. Mais aller au-delà, Alors oui, il y a le point d'eau, puisque le syndicat, enfin le maître d'ouvrage, a l'obligation de fournir un point d'eau à l'entreprise. Et donc, dans un immeuble, c'est effectivement une partie commune. Donc là, effectivement, le syndic a l'obligation de fournir un accès à un point d'eau qui soit sans risque pour l'entreprise. Donc, ça suppose effectivement… Alors, on peut imaginer que l'entreprise va dire, écoutez, je vais désinfecter moi aussi. Mais bon, c'est là, à mon avis, on va être dans un cas de négociation entre le maître d'ouvrage et l'entreprise. Mais on a actuellement des syndics qui proposent au syndicat de désinfecter les parties communes. Est-ce qu'il y a une responsabilité du syndicat des copropriétaires de désinfecter les parties communes, les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, les boutons de… etc.
Non, l'obligation du syndicat, c'est de rappeler qu'effectivement, il faut éviter de toucher les poignées de porte, les ascenseurs et tout ça, et qu'ils s'engagent à un nettoyage, puisque le Covid disparaît avec du savon. Donc, ils s'engagent à un nettoyage normal des parties communes. Il n'y a pas d'obligation de décontamination. Je pense qu'un syndic qui explique qu'il va pulvériser je ne sais pas quoi dans toutes les parties communes, il s'est fait promener par un prestataire, hein, parce que ça a aucun sens. Ok. Xavier, merci. Merci. Xavier, tu reprends la main, là. On va voilà. Je suis avec vous. Merci pour cette. Il y avait encore une diapo. Claude, tu ne voulais pas la. Non, mais c'est bon, je pense qu'on l'a commenté. Hein. D'accord. Bon, tu peux reprendre la main et puis on peut passer. Donc peut-être on peut arrêter les diapositives maintenant. Puisqu'on a plus de diapos. Mais il manque pour être parfaitement équilibré une personne. Finalement, il faudrait qu'on soit deux par. Je ne sais pas comment ça s'affiche, vous, à votre écran. Donc j'appelle. Il y a Yves Jolicoeur, avocat émérite québécois, qui va nous rejoindre. Voilà, je ramène Yves sur le devant de la scène. Est-ce que Yves m'entend? Voilà. Yves, il faut ouvrir la caméra et le micro. La caméra et le micro. Bonjour. Voilà. Bonjour Yves Jolicoeur. Il est quelle heure là au Québec? Bon, 10h30. Bon, on est ravis de vous avoir avec nous. Ce qu'on avait prévu, c'est peut-être de nous faire un tour d'horizon de la manière dont ça se passe, peut-être vous présenter, et puis un petit tour d'horizon sur la manière dont ça se passe au Québec vis-à-vis du COVID-19 et de la copropriété. Bon, bien, bonjour, je suis un avocat qui fait après 37 ans de pratique en droit de la copropriété. Je suis en mesure de un peu partager de l'expérience de ce qui se passe au Québec. Ben, écoutez, aujourd'hui, c'est une date presque d'anniversaire, en fait, pas tout à fait, parce que ça fait déjà 2 mois que nous sommes dans les mesures sanitaires. Je pense qu'on est à un jour près avec la France. Évidemment, on a vu venir de la Chine, après ça, en Europe, ce virus qu'on n'avait jamais totalement apprécié en termes d'importance et d'impact au point de vue de la société. Le gouvernement du Québec a décrété l'urgence sanitaire le 13 mars dernier. Évidemment, dans les copropriétés, s'est posé beaucoup de questions. Je rappelle à l'auditoire que nous avons en grande partie copié la loi de 65, la loi française, à l'exception près que nous avons un système bicéphale en copropriété, c'est-à-dire une assemblée de copropriétaires et un conseil d'administration. Essentiellement, les pouvoirs sont détenus par le conseil d'administration, qui sont généralement des copropriétaires qui sont élus à l'Assemblée générale des copropriétaires. Donc, c'est peut-être la grande distinction à faire, d'autant plus lorsqu'on doit conjuguer le tout dans cette période de pandémie. Ben, évidemment, dans un premier temps, c'est poser des questions, mais pas tout à fait sur le même angle. Que faisons-nous de nos assemblées de copropriétaires? Alors évidemment, tenir une assemblée de copropriétaires, c'était hors de pensée, compte tenu que tout rassemblement était interdit. Et bon, évidemment, il y avait des mandats d'administrateurs qui venaient à échéance. On les a rassurés dans les circonstances que leur mandat se continuait. S'est posé également la question de la trésorerie, le budget d'opération. Est-ce qu'il se continue au-delà de l'Assemblée générale? La réponse était oui. Donc, on avait des réponses à tout ou presque. Parce que le presque, c'est lorsqu'on a connu le retour de ce qu'on appelle au Québec les snowbirds, des gens qui revenaient des États-Unis, de Floride, parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais l'hiver, c'est un peu frais au Québec. Alors, on a beaucoup de gens retraités qui sont aux États-Unis, en Floride, et qui sont revenus au Québec à peu près à l'époque où on leur a dit « Vous revenez sur le territoire canadien. Si vous ne revenez pas, bien, tous les soins de santé ne pourront pas être assumés par les assureurs. » Donc, on a eu un retour massif de snowbird. Et les administrateurs de côté se posaient la question « Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ces occupants de l'immeuble qui sont à risque, parce qu'évidemment, remontant par l'État de New York, qui était fortement touché par le COVID, ben, ils se sont dit la question, mais est-ce qu'on doit jouer à la police? Est-ce que l'on doit également forcer la main?
Et évidemment, c'est poser la question sur le rôle du conseil d'administration du syndicat vis-à-vis de la problématique du COVID. Alors, on a dû être un peu imaginatif au Québec parce que les textes de loi en matière de courtité n'étaient pas, dans le fond, adaptés à cette réalité d'une pandémie. On a un article relativement assez général qui permet au syndicat de justifier tout acte qui vise l'intérêt collectif. Alors, ce qui nous a permis de commencer à prohiber la présence de propriétaires dans certaines sections de l'immeuble. Au Québec, on a des immeubles qui ont des services qui ressemblent presque à l'hôtel parfois, piscine, sauna, squash, etc. Ben, on a commencé à fermer ces aires récréatives des copropriétés aux grandes dames des copropriétaires qui se disaient, dans le fond, privés dans leur droit de jouir des espaces communs parce que les gens n'ont pas tout à fait réalisé au tout début le drame qui allait, dans le fond, surgir au Québec, c'est-à-dire des décès, un peu comme vous avez connu en France dans les résidences pour personnes âgées. On n'avait pas suffisamment apprécié. Donc, il y a eu des conflits. Les syndicats ont dû prendre position en disant « Nous avons l'autorité de fermer certaines sections des parties communes. » Juste pour comprendre, Yves, il y a certaines circulations qui ont été interdites, mais par copropriétaires. C'est-à-dire que certains ont pu y aller et pas d'autres. Est-ce que c'est bien ça? Non, c'était globalisé. C'est-à-dire que la piscine était fermée, toutes les aires récréatives étaient fermées à toute personne. Et bon, mais maintenant, après ça, c'est décliné la question, mais ceux qui sont, dans le fond, contaminés, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Alors, et là, on était, dans le fond, un peu mal pris parce que les administrateurs, que je répète, sont quand même des voisins, se disent, est-ce qu'on commence à jouer à la police? Est-ce qu'on doit les arrêter? Et on a eu une approche au point de vue des droits individuels assez questionnable, c'est-à-dire qu'il y a eu un système de délation. L'État dit, bien, écoutez, s'il y a des gens qui ne sont pas en confinement, bien, appelez la police. Et ce que les administrateurs ont commencé à faire, c'est-à-dire qu'ils ont appelé le service de police en disant, c'est quand même pas à nous à gérer la chose. Alors, ça a créé des tensions relativement importantes dans les copropriétés jusqu'au moment où les gens ont vu le bilan des mortalités au Québec et ont réalisé que ce n'était pas une blague ce qui se passait, qu'il y avait vraiment un risque pour la sécurité et la santé des occupants des immeubles. Donc, il y a eu évidemment un cheminement. Il y a eu également l'arrêt de tous travaux au Québec, tout type de travaux, sauf les travaux d'urgence, ce qui nous permettait, par contre, si jamais il y avait une fuite d'eau, de pouvoir faire venir des entrepreneurs pour faire les réparations requises. Alors, au Québec, l'industrie de la construction est une industrie, j'imagine, comme en France, très importante pour l'économie. Alors, l'État québécois a dû réfléchir sur les chantiers qui avaient cours en matière de copropriété. La question qui se posait, bien, on a des gens, nous, au Québec, les déménagements se font le 1er juillet. C'est une institution, c'est-à-dire que les gens emménagent à une date fixe. Et on avait des chantiers qui étaient avec des livraisons pour le 1er juillet. Et les chantiers étaient arrêtés. Alors, on a eu un arrêté ministériel qui est venu dire, bien, pour ces chantiers-là, vous pourrez les continuer. Donc, il y a eu une particularisation qui s'est faite de la part de l'État québécois sur l'ouverture et la fermeture de certains chantiers. Bon, entre-temps, évidemment, la trésorerie des copropriétés a été parfois impactée, notamment par des grands travaux qui devaient être engagés. Et les administrateurs de copropriétés se disaient, bien, si on doit faire des travaux, qu'on n'a pas les liquidités, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a eu une mesure législative très novatrice. Vous avez certainement entendu parler que l'État québécois a, au terme d'un arrêté ministériel, permis les assemblées dématérialisées, les assemblées virtuelles pour, évidemment… C'est là que, Yves, on est jaloux de vous, les Québécois, parce que nous, beaucoup d'adhérents là, qui sont connectés auraient aimé faire des AG dématérialisés, mais on ne peut pas. Alors, vas-y, développe ce point, c'est très intéressant. Oui, ben, juste pour rebondir sur ton propos, Claude, effectivement, ce qu'on regarde toujours, nous, comme étant vos cousins, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se fait en France? Alors, tout ce qui est bon, on prend. Tout ce qui est moins bon, on vous le laisse. Mais bon, évidemment, ce n'est pas péjoratif. Et on a regardé un peu ce qui s'était passé dans votre législation française et que finalement, ce qu'on en a compris, c'est que ça n'a pas donné de grands résultats puisqu'en amont, ce que j'en comprends, c'est qu'on devait approuver le cadre réglementaire des assemblées virtuelles. Donc, on a réussi à obtenir de l'État la tenue, sans approbation préalable de qui que ce soit, la tenue des assemblées de copropriétaires dématérialisées.
pour qu'effectivement la copropriété puisse survivre économiquement parlant. Donc, depuis 10 jours, les assemblées peuvent être tenues ainsi. Alors, évidemment, on n'a pas de cadre législatif. On ne nous dit pas, ben, vous les faites de telle ou telle façon, selon tel système de sécurité. Tout ça est laissé, comme c'est un peu en Amérique, laissé, dans le fond, il y a la liberté contractuelle de déterminer le cadre opérationnel. Alors, sans, comment dire, juste une petite information, parce que sans rentrer dans les détails, il y a aussi une réflexion qui est mise sur la place actuellement sur alléger les dispositions en matière d'assemblée générale électronique. Mais la vraie question et la crainte des pouvoirs publics, c'est que justement, ces assemblées générales créent des couacs et limiteraient, comment dire, les possibilités d'intervention et d'interactivité des assemblées générales. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très réticents à l'imposer au risque qu'en réalité, ça ne soit plus une assemblée générale avec des débats, mais ça soit juste une chambre d'enregistrement dans laquelle, au final, on passerait de manière rapide et de manière aléatoire les décisions d'assemblée générale. Donc, c'est pour ça qu'il faudra qu'on discute. Si vous avez des retours sur les tenues des assemblées générales électroniques, c'était au final un bon dispositif ou un dispositif qui s'est avéré contre-productif. En fait, pour tout dire, moi, j'étais en désaccord sur ces assemblées virtuelles, personnellement, parce que je considère que si les courtiers ne peuvent pas se réunir une fois par année pour partager leur vision de leur bien collectif, ben, est-ce que c'est vraiment de la copropriété? Bon, évidemment, notre réflexion évolue lorsqu'on vit une crise comme celle qu'on vit en termes mondiaux. On se dit, ben, peut-être que finalement, on doit trouver d'autres façons de faire. Alors, évidemment, le Québec va être un véritable laboratoire. On va vivre nos expériences, nos réussites, comme nos échecs relativement à ces assemblées qui devraient commencer d'ici 2 semaines, essentiellement. Parce que effectivement, il y a toute la question de la procédure, toute la question de la communication, de permettre le débat. On travaille actuellement avec un prestataire que Pignon sur rue en France, qui est un groupe qui a développé pour le Québec, et qui sont d'ailleurs installés à Montréal, un logiciel que j'ai regardé juridiquement comme avocat et qui me semble relativement performant et intéressant pour justement permettre le débat. Mais il ne faut pas se le cacher, hein. Le débat sur un forum ne sera jamais le même qu'un débat en assemblée de copropriétaires. On ne pourra pas remplacer la chose. Cependant, cette mesure, elle est valide uniquement pour la période de la pandémie, c'est-à-dire que c'est un arrêté ministériel qui a une durée de vie limitée. Et ça nous amène évidemment à une deuxième question. Je lisais des rapports d'experts récemment qui disent bon, qu'on va vivre avec ce coronavirus pour une longue période tant qu'un vaccin ne sera pas trouvé et administré. Bon, on en a peut-être pour des mois, qui sait, peut-être pour un an. Durant cette période-là, nous, c'est 2 mètres de distance, hein, par participant. Donc, 2 mètres de distance, c'est assez costaud. Les salles physiques ne s'y prêtent pas pour tenir des assemblées. Et l'autre chose aussi, c'est que même lorsqu'on aura déconfiné, ce qui n'est pas encore le cas à Montréal parce qu'on est en pleine crise actuellement, est-ce qu'on aura des salles propices pour permettre la tenue de ces assemblées? Je rebondis sur certains commentaires qui ont été faits précédemment. Qui va vouloir louer une salle avec le coût inhérent à la désinfection de la salle par la suite? Ça va devenir matériellement très difficile de tenir une assemblée physique ou parfois hybride, parce qu'on pense qu'éventuellement, et on va le demander aux législateurs, d'avoir cette possibilité d'avoir une présence physique et à l'extérieur. Parce que moi, je pense que comme société, que ce soit en France ou au Québec, nos façons de faire vont évoluer grandement après cette expérience que l'on vit actuellement. Oui, est-ce qu'on pourrait imaginer, je parle à nos avocats français, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en France, il y ait un arrêté qui soit pris de manière un peu brutale, de la même manière, qui permette les assemblées générales dématérialisées,
où aujourd'hui on est bloqué de manière juridique ? Eric et Julien ? Pour moi, ça aurait pu être fait. Là, c'est l'ordonnance du 25 mars que j'ai mentionnée, qui s'applique aux AFUL et aux ASL. Cette ordonnance aurait été rédigée différemment, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu un renvoi aux législations propres de chaque personne morale. On aurait pu tenir des assemblées générales à distance. Oui, oui, ça aurait pu être fait. Est-ce qu'on pourrait imaginer, ça je parle sous votre contrôle, hein, Claude et à tous, et Émile, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on fasse une assemblée générale extraordinaire sur laquelle il n'y a qu'une seule chose qui soit votée, c'est la dématérialisation de l'assemblée, et que tout soit voté par correspondance? En réalité, c'est le chemin qui se mord la queue. C'est-à-dire, en réalité, pour que tu puisses convoquer, eh ben, il faut que tu sois en mesure de convoquer pour prendre cette fameuse décision. Or, comme cette fameuse décision, tu peux la prendre que si tu as validé la convocation électronique, donc ta première convocation, elle n'est pas bonne. Oui, donc on est coincé. Xavier, si tu permets, donc à Yves, sur la gestion des chantiers, c'est mon dada, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça reprend? Est-ce que c'est coordonné? Bon, mais les chantiers, on a deux types de chantiers. On a les chantiers dans le neuf, dans la construction résidentielle neuf. Effectivement, les chantiers ont repris. Sur les chantiers dans les copropriétés existantes, c'est-à-dire des mises à niveau, c'est une question de temps, effectivement, que ça va reprendre. On a un souci très important, par contre, à Montréal, c'est qu'on vit un taux très élevé de contamination. Donc, on devait déconfiner la semaine prochaine et c'est remis. Parce que la grande région de Montréal est réellement, réellement très impactée. Vous savez, Montréal est quand même un lieu où on a eu beaucoup de visiteurs européens. Je ne vous fais aucun blâme que c'est fou qui nous avait amené ça. Je ne ferai pas mon Monsieur Trump de moi. Mais on a un taux très, très élevé de gens malades, de décès aussi encore. Donc, tout ça est reporté. Mais on sait très bien que, compte tenu de la courte période où on peut faire des travaux au Québec, parce que nous, on a une saison assez limitée, qu'il va bien falloir les reprendre. Beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de la côté vont proposer des protocoles d'intervention, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils soient en mesure de prouver aux syndicats qu'ils mettent en place, dans le fond, un système de nettoyage suffisant. Et c'est peut-être une des grandes différences avec la France. Nous, comme syndicats, on a une responsabilité d'assurer des parties communes qui sont non à risque pour les occupants de l'immeuble, faute de quoi on peut se leur poursuivre. Alors, donc, on a un degré de responsabilité qui est très, très élevé. On ne peut pas se permettre de dire on a passé la lingette une fois par jour et c'est suffisant. Donc, on a un degré d'obligation très, très élevé en cette matière. Est-ce qu'en France, on a parlé effectivement de la difficulté de signaler aux entreprises les cas de COVID qu'il pourrait y avoir dans une copropriété? Est-ce qu'aujourd'hui, au Québec, vous signalez aux entreprises qui pourraient intervenir qu'il y a des cas de COVID dans la copropriété? Non, ça appartient pas au conseil d'administration d'informer les entrepreneurs. Je rejoins mes confrères en disant que ce sont aux entrepreneurs à prendre les dispositions requises en présumant qu'il y a un risque de COVID dans l'immeuble. C'est leur responsabilité. Puis évidemment, il y a une question de la protection de la vie privée. Et comment voulez-vous que les administrateurs aient l'assurance que telle personne est ou non est contaminée? Après ça, il y a une période de confinement, ce serait ingérable. Donc, on n'est pas tenu, mais il reste quand même qu'on doit mettre dans les conditions contractuelles le devoir pour l'entrepreneur qui intervient dans les parties communes de bien faire les choses. On fait cet après-midi ici à Montréal une émission de radio sur les agents immobiliers et la copropriété. Parce que nous, au Québec, on a une façon de faire, c'est-à-dire de commercer les appartements en faisant ce qu'on appelle des visites libres. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, telle journée de la semaine, vous pourrez visiter l'appartement. Bien, les syndicats de copropriété vont s'opposer à la venue de gens comme ça en quantité phénoménale. Ça deviendrait ingérable. Donc, il y a déjà des conflits qui ont cours entre les agents immobiliers et les syndicats, qu'eux autres ont décidé d'interdire durant cette période-là toute visite de gens d'extérieur. Alors, il y a des conflits qui se bâtissent présentement. Donc, on pense au Québec, dans beaucoup de copropriétés, que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel des copropriétaires de disposer de son... Maître, moi, j'ai une dernière question à vous poser. C'est par rapport, et là, je pense qu'il y aura un vrai travail, un vrai bilan à faire en France, nous, en tout cas, de cette période de confinement.
c'est par rapport à la réactivité des syndics professionnels en cette période de confinement. Vous, au niveau, je dirais, local, avez-vous l'impression, considérez-vous que les professionnels de l'immobilier, et notamment les syndics, ont su être assez modernes pour pouvoir assurer une gestion de qualité des copropriétés? Nous, on fera notre bilan prochainement, parce que c'est pour nous une vraie question de savoir si aujourd'hui, on va dire, les syndics artisans ont réussi ce défi de la dématérialisation de la gestion des copropriétés, d'autant plus qu'aujourd'hui, en phase 2, ils ont les syndics, entre guillemets, en ligne. Vous, votre première analyse sur cette gestion dématérialisée de la copropriété, est-ce qu'on a plutôt eu des syndics confinés et complètement confinés dans leur lit, ou plutôt quand même des syndics assez réactifs dans la gestion des copropriétés? On a eu des syndics réactifs, mais vous savez, Emile, il y a une grande différence entre la France et le Québec, c'est-à-dire qu'au Québec, ce que vous appelez le syndic, nous, il n'est pas décisionnel. Ce n'est qu'un mandataire du syndicat, donc il exécute les décisions prises par le conseil d'administration. Alors, si j'ai un conseil d'administration qui est très réactif à des mesures de protection des occupants de l'immeuble, bien, par la force des choses, le gestionnaire va l'être. Nous, on appelle ça des gestionnaires de copropriété. On a quand même des sociétés ici au Québec qui ont préconisé des solutions très imaginatives, qui l'ont soumis à leur conseil d'administration, mais ce n'est pas normé. Il n'y a pas une approche identique. Et chaque conseil d'administration fait son expérience avec sa vision des fois très, très bizarre. On a eu des cas où on a voulu interdire la présence d'une infirmière dans l'immeuble qui venait donner des soins jusqu'à l'extrême, à l'opposé, en disant « tout le monde rentre dans l'immeuble, peu importe, ce n'est pas à nous à nettoyer quoi que ce soit ». Donc, on n'a pas une homogénéité. Et dans le fond, la problématique qu'on a au Québec, c'est que l'activité professionnelle telle que vous la connaissez, avec les plus et les moins en France, avec les syndics, nous, on ne la connaît pas, bien qu'on ait un très gros groupe français actuellement qui s'est investi au Québec, et le groupe Sergé, qui est maintenant collaborateur avec d'autres gestionnaires au Québec, qui commence à mettre un peu plus de professionnalisme dans l'activité de la gestion. Mais sachez qu'en Amérique du Nord, l'organe décisionnel le plus puissant, c'est vrai autant en Californie que partout, c'est le conseil d'administration. Le gestionnaire n'est qu'un prestataire de service qui exécute les décisions du conseil d'administration. Ça, c'est une question qui est posée par des adhérents, c'est justement la différence. Quelle est la fonction de votre conseil d'administration? Il demande entre nous, conseil syndical et vous, conseil d'administration, quelle est la différence? Tu peux y aller, ouais. Bien, la grande différence, c'est qu'on a, bon, dans un premier temps, je répète, on a deux organes décisionnels, qui est l'Assemblée générale et qui est le conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont généralement des copropriétaires qui sont élus une fois par année. Le gestionnaire de copropriété, c'est quelqu'un qui a un mandat, un contrat dont la portée est différente d'un gestionnaire à l'autre, et qui exécute son mandat de perception des charges communes, de voir à retenir les entrepreneurs, mais on reste toujours dans une structure où l'organe le plus puissant, à preuve, le budget n'est pas décidé par l'Assemblée générale, le budget est décidé par le conseil d'administration après consultation d'Assemblée. Alors, vous savez, la véritable sanction au Québec, c'est que lorsqu'on a un conseil d'administration qui ne nous plaît pas et qui nous présente un budget qui n'est pas adapté à la réalité de côté, bon, on change nos administrateurs. On les change. Donc, c'est finalement, vous avez toute la puissance d'avoir des courtiers décisionnels, mais par contre, en contrepartie, on a des conseils d'administration qui, dans fois, n'ont pas les compétences requises pour entretenir des immeubles. Oui, mais en réalité, la grande différence entre le Québec et la France, et vous me direz si je me trompe, c'est qu'en réalité, nous aussi, le syndic est un mandataire. La seule différence, c'est qu'en France, on élit des membres du conseil syndical sans programme, alors qu'au Québec, on élit des membres du conseil syndical sur la base d'un programme, d'un budget, d'une action. Et donc, en réalité, elle est là, peut-être, la vraie différence, c'est que bien souvent, soit on élit des membres du conseil syndical par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autres candidats, soit par, entre guillemets, copinage. Mais c'est vrai que, c'est ce qu'on essaie d'impulser, nous, c'est que lorsqu'un membre du conseil syndical veut accéder aux fonctions
de conseil syndical, ça aurait été bien qu'il présente un programme d'action, de travaux, de maîtrise des charges, de suivi des impayés. Et en fait, la différence pour moi, elle se trouve plutôt là, bien évidemment, dans la gestion. Mais c'est surtout là, sur un, il est nommé sur un nom. En France, il est nommé sur un nom. Alors qu'au Québec, il est nommé sur une action. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Voilà. Oui, ben, ça résume bien effectivement la différence, mais il y a des plus, il y a des moins. Dans un premier temps, on constate parfois la difficulté d'avoir des gens qui se présentent sur le conseil d'administration parce que la responsabilité civile d'être administrateur est très, très élevée. On peut même les poursuivre en justice lorsqu'ils commettent des erreurs. Donc, il y a des fois des gens qui se disent, ben, écoutez, c'est du bénévolat. En plus, si vous me dites que je peux me faire poursuivre, ça ne me convient pas trop. Je vous parle du côté négatif de la chose parce qu'il y a des côtés très positifs. De l'autre côté, le fait qu'on n'ait pas une activité professionnelle comme vous l'avez avec la loi Hoguet sur les syndics, mais on n'a pas su développer des cursus de formation, bien qu'on en a fait au niveau du regroupement des gestionnaires et coopérateurs du Québec. Donc, on a parfois des problématiques de compétences chez nos gestionnaires. Donc, et parfois, ça fait la différence sur le prix aussi par l'autre copropriété. Si vous avez un gestionnaire qui est de qualité, il va charger plus cher que quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, le consommateur, si je peux employer cette expression-là, n'est pas toujours en mesure d'apprécier la qualité de l'intervenant, mais il reste quand même un élément sur lequel je vous rejoins, Émile, c'est quand même les copropriétaires qui décident de l'avenir de leur immeuble. C'est également des administrateurs qui doivent aujourd'hui suivre une loi qui a été réformée tout récemment avec des obligations d'études de fonds de prévoyance. Maintenant, ça va devenir obligatoire, des carnets d'entretien obligatoires. On est en train de réellement normer l'activité au sein des copropriétés pour essayer de pérenniser le parc immobilier québécois. Voilà, je vois bien. Minutes, si Yves, tu as d'autres points à mettre en avant, là, des choses nouvelles par rapport au COVID, non? Bon, je pense qu'on a fait le tour. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les gens ont hâte de plus en parler. Je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais ils disent quand est-ce qu'on retourne au bistrot et au restaurant, mais je pense que ça va prendre un peu de patience de part et d'autre aussi. Pour tout vous dire. Sur les terrasses aussi, hein, on veut retourner sur les terrasses. Ah oui. Déjà, on vous souhaite un bon déconfinement et vous avez raison, je commence même moi à en avoir marre de parler du COVID-19 et de ses conséquences. Mais le problème, c'est qu'avec ces prolongations là, de mandat, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, on est obligé d'informer nos adhérents sur les conséquences de ce COVID-19. Mais en tout cas, merci pour cet éclairage. Et je pense que dans d'autres occasions un peu plus joviales, on aura l'occasion de peut-être de refaire un webinaire sur justement ce mental, en fait, ce mental québécois et ce mental français de la gestion des copropriétés, parce que c'est aussi une question de culture et de mental, je pense aussi, qui doit beaucoup jouer. À toi, Xavier, pour boucler ce webinaire. Voilà, donc on va effectivement boucler ce webinaire. Je crois qu'on peut vous remercier à nos trois avocats, Maître Éric Audineau, Maître Julien Baumgartner, Maître Yves Jolicoeur. On avait le Québec avec nous aujourd'hui, toujours un grand plaisir. Claude Pouet aussi pour l'ARC, pour tout ce point sur ces points, sur ces travaux. Peut-être Émile Agège, un petit mot de conclusion. Juste pour dire, on voit bien qu'en réalité, les conséquences du COVID-19 se prolongeront, et je l'espère, après la fin du COVID-19. On a bien vu encore aujourd'hui que notre volonté d'informer débordait largement le temps imparti. Mais bon, le jour que je tiendrai les délais, je sais que je serai mort. Si j'ai bien compris, il y aura une nouvelle session, encore une fois, sur les conséquences du COVID-19 et toute la question financière interne sur les appels de fonds, de savoir est-ce que c'est compatible de tenir une Assemblée générale en 2021 alors que le budget n'a pas été voté. Donc, il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'on peut payer moins ces appels de fonds du fait qu'il y a une activité partielle des sociétés. Bon, donc, on a encore beaucoup de questions qui restent en suspens et qu'on doit apporter des réponses. Donc, peut-être, Claude, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement le programme de la semaine prochaine? Bon, lundi prochain, lundi 18 mai après-midi, on finit le cycle sur les états comptables. Lundi? Lundi après-midi. D'accord. C'est la troisième session sur les états comptables. On vous a présenté les règles lors des deux premières sessions et là, on va vous dire comment on les analyse, comment on les exploite.
D'accord. Et mercredi, on se retrouve pour la suite de ce webinaire. Émile pourra parler des aspects économiques. Hein. Et on avait prévu aussi de faire un petit point sur la dématérialisation, parce que là, le Covid nous a incité à utiliser des tas d'outils hein, pour faire des webinaires, pour communiquer. Et donc, on va voir ce qu'on peut faire de ces outils pour l'avenir. Voilà. Hein. Donc, un aspect, donc, la partie financière d'Émile, et puis un aspect, un échange sur la dématérialisation avec le même principe, parce que je pense que ça a plu, vu les remarques, on fera intervenir deux ou trois experts extérieurs hein, pour un peu avoir leur avis et voir un peu si on est sur des bonnes trajectoires. Alors, mon cher Claude, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec les experts, parce que ce qui va nous tomber dessus dans deux semaines, c'est l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Alors peut-être, mon cher Claude, peut-être organiser rapidement début mi-juin, peut-être un petit focus sur les nouvelles dispositions de l'ordonnance copropriété, en mettant en exergue peut-être toutes les nouveautés intéressantes liées au contrat, liées au tenu de l'Assemblée générale. Peut-être qu'on pourra mettre aussi ça en place. C'est programmé, tu sais, à la place du colloque du 26 mai. On fait deux webinaires et je pense qu'on va reprendre pas mal de choses sur les ordonnances. Mais OK, bah, pour merveilleux. C'est merveilleux, Claude. Voilà, donc un gros programme qui se profile. Bon, bah parfait. Vous êtes, bah, c'est le mot de la fin, c'est merveilleux. Comment dire, Xavier, juste par pratique, par rapport aux adhérents et à l'association. Je vous rappelle que depuis mardi, l'ARC a ouvert ses portes. Les consultations téléphoniques reprennent. À partir de la semaine prochaine, on reprend les consultations par Zoom. Donc, ceux qui veulent bénéficier d'une consultation par Zoom, de manière dématérialisée, peuvent dès demain prendre rendez-vous pour faire des consultations par Zoom. Et ceux qui veulent avoir des réponses auprès de juristes ou de techniciens par téléphone, le standard téléphonique est ouvert entre 10h30 et 16h30 du lundi au vendredi. Voilà, je me tais, c'est promis. Voilà. C'était décrit, tu as dit, vous êtes merveilleux. Donc, vous êtes tous merveilleux, vous avez du talent. C'était encore une fois un grand plaisir pour les adhérents de l'ARC d'avoir cette conférence. Merci à vous d'avoir été très nombreux et nombreuses avec nous aujourd'hui. Il y avait du monde aussi sur le live YouTube. On vous en remercie. Je vais mettre fin donc à ce webinaire et puis on se retrouve donc très prochainement. À très bientôt au Québec, en France ou ailleurs dans le monde. Portez-vous bien. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Plaisir. Au revoir.